D'accord, bon, bon, bon après-midi. J'allais dire bonsoir, mais non, c'est encore l'après-midi. Euh, bienvenue à cette euh, classe de maître spéciale euh, pour l'École euh, des métiers du de cinéma de la vidéo euh, du Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, C'est une, une activité en partenariat avec euh, l'OCQ, l'Observatoire euh, du cinéma au Québec. Euh, donc, là, Il y a plusieurs personnes qui sont avec nous dans, dans le Zoom. J'entends quelques bruits, donc je vous demanderai quand même d'éteindre vos, vos, vos micros. Euh, vous pouvez garder euh, vos caméras ouvertes euh, si, euh, si cela vous plaît. Euh, puis, euh, si jamais éventuellement vous avez des questions, vous pourrez rallumer euh, vos micros, donc euh, vous aurez euh, droit de parole et il n'y a pas de, pas de souci. Donc, euh, ben, mon nom est, est écrit euh, quand, quand je parle sur, euh, en bas de ma face, mais c'est Hubert Sabino brunette euh, Je suis enseignant euh, à l'École euh, des, des, des métiers du de cinéma et de la vidéo euh, du Gep de Rivière-du-Loup et, et je suis euh, passé L'Université de Montréal, donc je suis content de pouvoir les accueillir dans mon, dans mon nouveau chez nous. Euh, J'aimerais ça les accueillir euh, en vrai, montrer euh, les beautés de la région et, et de notre école et de nos étudiants étudiantes, mais euh, partie remise, on les voit quelques-uns ici euh, par la virtuelle. Donc on est vraiment content quand même de, que cette activité ait lieu euh, selon. Euh, cette façon-là, donc sur le mode virtuel, vous êtes sur Zoom, vous pouvez aussi nous voir, euh, nous écouter, c'est euh, important, sur la conception sonore, vous pouvez nous écouter sur YouTube euh, en même temps, euh, et puis la séance sera disponible euh, a posteriori, donc une fois qu'elle sera, sera faite. Euh, donc, euh, ben, sans plus tarder, en fait, euh, vous êtes ici pour euh, venir écouter euh, Marie-Pierre, euh, mais avant ça, je vais céder la parole à... Caroline Martin, qui sera co-animatrice avec moi, donc euh, présenter rapidement le, ou, ou, ou moins rapidement que ça l'OCQ et puis euh, la nature de cette activité-là. Donc, merci Caroline d'être avec nous aujourd'hui. Alors, euh, bonjour. Euh, voilà, je m'appelle Caroline Martin, je suis chargée de cours à l'UCAT et aussi à l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheuse postdoctorante. Euh, au laboratoire Cinémédia de l'Université de Montréal. Et puis euh, voilà, je vais co-animer avec euh, Hubert cette euh, classe de maître de Marie-Pierre Grenier qui a si gentiment accepté euh, de participer et qui va euh, aujourd'hui vraiment démystifier qu'est-ce que la conception sonore. Alors j'ai très, très, très hâte de l'entendre nous parler de ce sujet. J'espère que vous êtes aussi euh, enthousiastes que moi. Euh, donc, euh, Hubert a déjà dit, hein, la séance est sur Zoom, mais elle est aussi sur euh, YouTube. Les questions que vous allez poser vont être relayées. S'il y a des questions qui sont, euh, disons, plutôt d'ordre général, on pourra les relayer à la fin. Mais si vous avez des questions sur ce que Marie-Pierre dit, euh, gênez-vous pas pour lever la main. Elle nous a dit qu'elle avait envie d'avoir une discussion avec vous. Euh, elle a vraiment euh, pensé à. Tout ce qui pourrait vous intéresser sur la conception sonore, donc euh, euh, soyez, euh, soyez là avec elle. Donc, si vous voulez ouvrir vos caméras, c'est toujours agréable de voir euh, vos visages. Euh, donc, il va y avoir la classe de maître, il va y avoir des questions, à la fin, quelques remerciements. Puis, juste pour vous dire, euh, c'est environ 90 minutes, donc on devrait se rendre jusqu'à peu près euh, 4h30 euh, environ. Ce n'est pas chronométré à la seconde près. Euh, heureusement. Euh, ben sur ce, je vais donner la parole à, à Marie-Pierre, euh, qui va pouvoir se présenter un, un peu mieux, puis qui va pouvoir euh, peut-être vous expliquer un petit peu euh, ce, de, ce sur quoi elle va vous parler aujourd'hui. Alors, euh, je te passe la parole, Marie-Pierre. Merci beaucoup, merci vraiment de m'avoir invité à cette activité. Euh, J'aime pas beaucoup le terme classe de maître, je vais vous avouer. J'ai euh, récemment euh, adopté plutôt euh, la grande classe des faiseuses. Je trouve ça plus le fun. <laughs> je trouve que c'est moins il y a moins de prétention dans, le, dans ce, ce terme-là. Bref, euh, je suis super contente d'être ici avec vous. Euh, vraiment, n'hésitez pas, comme, comme euh, on a dit tout à l'heure, de mettre vos caméras à on. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui fait des, zooms, euh, des des séances de Zoom ou qui enseigne sur Zoom, donc c'est le fun pour moi de voir vos réactions. Je suis très heureuse. N'hésitez pas aussi à me poser des questions au fur et à mesure. Je suis vraiment là. Euh, ça, je, vais, je vais essayer d'être assez décousue et assez ordonnée pour que tout ça fasse du sens et que vous ayez de la place pour intervenir quand vous voulez là-dedans. Euh, donc, je me présente, je suis Marie-Pierre Grenier, je suis conceptrice sonore. Euh, Qu'est-ce que ça fait la conception sonore? Ben, en fait, avant d'arriver directement dans la conception sonore, je vous dis rapide mon parcours. J'ai commencé, je suis sortie du Cégep, je n'ai pas fait l'université. Euh, je suis sortie du Cégep et euh, je me suis mise à travailler en montage image pour la télé. C'était assez limitant comme, euh, comme <laughs> créativité. Euh, mais parallèlement à ça, j'ai des amis qui, eux, ont continué à faire des films en sortant du cégep. Euh, et, et qui, parallèlement, bien, comme je faisais de la musique, en fait, puis j'étais comme la seule personne qui faisait de la musique dans la bande de, de, de cinéastes en herbe sortant du cégep, bien, évidemment, on m'a demandé de faire la prise de son des films pendant l'été et la, le montage son. Chose que j'ai faite, j'ai monté ça, je pense que c'était sur Final Cut. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Euh, J'avais aucune idée, mais j'explorais je, mais ça, puis c'était bien le fun. Euh, puis à un moment donné, ben là, je me suis un peu plus professionnalisée. Je suis devenue assistante monteur, euh, assistante euh, bruteur pour euh, un ami à moi qui est bruteur encore maintenant, qui s'appelle Alexis Faran. Euh, là, je l'ai assisté pendant environ six ou sept ans euh, de manière plus ou moins continue, euh, mais quand même, on a fait euh, plein de films ensemble. On a euh, fait euh, des choses comme euh, Bon Cop, Bad Cop, puis euh, Le Survenant, puis des, des, des classiques d'une certaine époque, et des cailloux et des, euh, et des Arthur aussi, comme des animés, parce qu'on travaillait chez Sinar aussi des fois. Euh, donc, ça, ça m'a vraiment appris à, à comme mieux comprendre comment on abordait, comment on pouvait aborder le son, disons, euh, d'une manière très spécifique qui est à, qui est à travers le bruitage, mais quand même j'ai réalisé qu'il y avait une part extrêmement expressive dans le bruitage puis dans le son, puis que le son pouvait être vraiment narratif, même, même en bruitage. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure plus concrets. Mais euh, donc, j'ai commencé à vraiment plus aimer ça, euh, continuer à faire de la prise de son en parallèle euh, pour des pubs web, pour des... En tout cas, un peu, un peu de tout. Euh, on, on gagne sa vie comme on peut. Puis à un moment donné, j'ai décidé... Je trouvais que le brutage, j'arrivais à un certain plateau, dans le sens où euh, j'arrivais à un moment où, en tant qu'assistante bruteur, je commençais à trouver les choses un peu moins challengeantes, il y avait moins de défis. Et je n'avais pas envie de devenir bruteur. Euh, le métier de bruteur, il y en a très peu au Québec. Euh, puis euh, je n'avais pas envie de rentrer là-dedans. J'ai été assistante pour différentes personnes, donc je n'avais pas envie de devenir un peu une certaine compétition. C'était comme ça me tentait moins. Puis c'est super le fun, le bruitage, mais on passe notre vie euh, dans la poussière, dans le bordel, dans les bazars. Tu sais, vraiment, j'ai connu tous les bazars de la ville de Montréal et plus encore. Euh, fait ça satisfaisait ça, ça, ça un côté de moi, mais quand même, à un moment donné, j'avais envie de faire d'autres choses. Et euh, je me suis acheté euh, Pro Tools et je me suis mise à apprendre le montage son par moi-même un peu. En posant des questions à des gens, à des mixeurs. Euh, puis tranquillement, ben, des amis à moi qui grandissaient aussi dans le milieu du cinéma, on a grandi ensemble. Donc, tranquillement, on s'est tous professionnalisés un peu ensemble, puis on s'est tous euh, appris plein de choses, mais on a tous grandi ensemble, en euh, gros. Voilà. Fait que ça, ça fait euh, tout ça, ça fait à peu près 20 ans que ça, ça, que ça se passe. Et depuis, ben là, j'ai. Continue à faire un peu de prise de son pour le documentaire, pas mal seulement. Je ne fais plus de prise de son pour la fiction, ça fait euh, plusieurs années. Euh, C'est une, euh, une autre game, la fiction. Ça demande énormément de matériel, d'équipement. Euh, Puis ça, ça, ça me tentait moins parce que j'aime beaucoup. Moi, j'ai aussi une grande, grande affinité pour le documentaire. Euh, j'ai étudié à l'INIS en réalisation documentaire. J'ai réalisé un baie documentaire. Euh, donc, pour moi, le, moi, vraiment, le documentaire, c'est un médium qui me, qui me fascine. Fait qu à la prise de son, ça me satisfait beaucoup parce que j'ai ce, ces. Des fois, ça me permet d'avoir ces moments de rencontre euh, tellement privilégiés avec nos sujets. Euh, donc, ça, ça j'essaie d'en faire une fois par année à peu près quand, quand ça donne quand je peux dans, dans mes calendriers. Puis sinon, bien, je fais de la conception sonore euh, à temps plein. Donc voilà, le, le, le monde idéal, c'est quand. Euh, je peux et faire la prise de son d'un film et faire la conception sonore parce que là vraiment je peux réfléchir vraiment, vraiment en amont. Euh, je, peux, je peux prendre des sons, il y a vraiment un échange. Là, là, on construit un film en fait en équipe. Puis moi, la, quand je fais ça, j'ai la chance de suivre le film jusqu'à la fin ou presque. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Mais euh, voilà, donc ça, c'est mon parcours. Euh, maintenant, qu'est-ce que la conception sonore? Ben, J'imagine qu'il y a des gens qui ont une idée hyper précise de ce que c'est, de ce que ça implique, puis d'autres, c'est peut-être un peu plus flou. Donc, je vais vous l'expliquer, puis n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Mais, dans le fond, le rôle d'une conceptrice sonore, je vais essayer de parler euh, le plus au féminin, euh, le rôle d'une conceptrice sonore, c'est, en fait, euh, c'est de... de, de D'avoir un peu une, une idée, une vision globale de la signature sonore d'un film. Et donc, ça, euh, nous, on va, on va gérer le bruitage. C'est nous qui allons sortir la liste de bruitage, qui allons réfléchir à qu'est-ce qu'on va, qu qu va bruter, qu'est-ce qu'on va pas bruter. Il y a toute une partie technique sur. Euh, Qu'est-ce qui doit être refait Qu'est-ce qui doit être enregistré comme voix, etc. C'est nous qui le faisons. La partie technique aussi de montage dialogue, nettoyage dialogue aussi. Euh, et ça, ça tient autant pour la fiction que pour le documentaire. C'est assez important de, de le dire. Euh, mais en gros, c'est qu'on prend un projet puis nous, on, on apporte notre vision euh, sonore, <laughs> notre oui sonore d'un film. Euh, donc c'est pas mal ça. Euh, on Idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre le projet dès le départ, donc dès même pendant l'écriture la, la, du scénario, on peut faire ça. En général, ça n'arrive pas tout le temps. Pour la fiction, ça arrive un peu plus souvent. Évidemment, le documentaire, étant le documentaire, on peut écrire des scénarios et des scénarios et des scénarios pour, pour son film, mais au final, bon, on peut partir sur certaines pistes et se dire OK, ça va être ça notre. notre notre ligne directrice, mais au final, on sait bien qu'on fait du documentaire, euh, on finit par avoir le, le film se dévoile de lui-même en fait, surtout au montage image. Donc, euh, on peut être là quand même pour donner des cues. Euh, je vais vous en parler justement sur un, un projet sur lequel j'ai travaillé, qui ça a été assez intéressant de pouvoir faire ça. Euh, voilà. Ensuite, ben c'est ça. Donc à l'écriture du scénario. Euh, quand on est contacté, c'est souvent pour la fiction, c'est souvent avec des gens avec qui on a déjà travaillé parce qu'en général, les gens ne savent pas, les, les cinéastes ne, ne pensent pas au son ou à la conception sonore lors de l'écriture du scénario. On va penser peut-être des fois à dire, ah, mais en hors champ, on va entendre une porte qui va se fermer ou, euh, ou le bruit des casiers va être fort, ou... mais, mais on ne pense pas vraiment au pouvoir narratif euh, du son. Euh, de manière plus grande, euh, et ça c'est super le fun. Je vous encourage, euh, cinéaste que vous êtes, à, à vraiment prendre prendre contact, essayer de réfléchir avec qui vous voulez travailler, puis prendre contact avec ces gens-là, parce que on peut vraiment nourrir votre film, on peut nourrir votre réflexion, on peut nourrir votre écriture euh, de scénario. Euh, vraiment, au niveau sonore, ça, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Je vous, je vous le suggère fortement. Euh, ben D'ailleurs, je vais vous montrer un petit exemple. Euh, C'est un film que je pense que plusieurs d'entre vous avez vu. C'est Une colonie de Geneviève Duluth de Selle. Euh, Geneviève, on avait travaillé ensemble avant pour La Coupe, qui était son premier court-métrage de fiction. Puis après, on a travaillé ensemble sur Bienvenue à AFL, qui était son, son long-métrage documentaire. Et là, son long-métrage de fiction, euh, elle m'a recontacté, mais là, comme on avait une, déjà un bel échange, une belle discussion, euh, elle, elle avait des, des trucs au niveau sonore. Geneviève, c'est une cinéaste qui est très précise dans ce qu'elle veut au niveau du son. Euh, donc, on a pu vraiment réfléchir ensemble à ça. Et euh, je vais partager mon écran et vous montrer un exemple du scénario. Alors, par exemple, vous voyez... Euh, Ici, donc, euh, page 9 à droite, on a un extrait. Bon, Mila acquiesce, Henri quitte, Mila regarde la voiture d'Henri s'éloigner, replongeant, replongeant le chant dans le calme et l'immobilité. Puis les moteurs de l'autobus se font entendre, Mila sort aussitôt, ne laissant pas le temps à sa mère occupée à la cuisine de venir la saluer. Ben moi, quand je lis ça, j'entends tout le montage sonore et le rythme. Que ça, que ça requiert ce moment-là d'immobilité. Donc, il y a un moteur qui part, il y a une voiture qui quitte, il y a un moteur qui s'en va. Mila regarde la voiture partir et là, ouf, il faut un temps d'immobilité. Ben, mon premier réflexe, c'est de dire, ici, ma, ma note est malheureusement sur la page d'après. Euh, donc, si on veut faire une courbe action-vide-action, action, il faut prévoir assez de temps image pour que l'action se passe et qu'on ait le temps d'établir tout ça. Donc, quitter le père, perdre un peu la conversation qu'a mes mères, se laisser emporter dans le vide du champ, puis revenir à l'action brute du moteur d'autobus. Donc, ça, c'est des choses qui, moi, quand, quand, quand je décortique un scénario, je vais le décortiquer euh, de, de différentes manières. Je vais le décortiquer, justement, ça, c'est une note de tournage, parce que je, ça, c'est pour leur dire, puis ils la en, elles la prennent en considération ou pas, cette note-là. C'est de dire qu'il faut vraiment donner le temps parce qu'au niveau sonore, sinon on ne sentira pas ce creux-là. On ne peut pas le créer si l'image puis le rythme au montage image nous le donne pas. Euh, ensuite, mettons qu'on revient ici, on rentre. Oups, pardon, je suis pas très habile. Euh, donc, on rentre dans l'autobus ici. Mila entre dans l'autobus en cherchant du regard un banc vide. Elle s'assoit, premier banc. Ça, c'est sa première journée d'école dans une nouvelle école, elle vient, elle vient de déménager, puis elle n'est pas super à l'aise. Mila, c'est un personnage qui est quand même assez euh, réservé. Euh, donc, le personnage étant réservé, elle rentre dans un autobus d'école, première journée, c'est le bordel évidemment dans l'autobus. Évidemment, au tournage, tout le monde va faire semblant de parler parce qu'on ne veut pas que l'action de Mila, l'action du personnage principal, soit couverte par plein de voix partout. Puis on veut qu'au montage, on puisse, au montage image, on puisse couper d'une coupe à l'autre super aisément sans avoir des, des voix à patcher parce que quelqu'un qui crie et au milieu de la coupe. Tout ça. Donc ici, moi, ce que je dis, c'est euh, enregistrer plein de voilà sans moteur. Des voilà ça, c'est un terme qui vous allez entendre ça souvent, le W-A-L-L-A. -L -L -A. Euh, c'est comme c'est des voix, c'est des voix qui sont inaudibles, on, en fait qui sont indéchiffrables. C'est des voix qu'on va entendre, mais ça va être comme blablabla. Et idéalement, ça, bien, on va le faire, on aimerait qu'au tournage, justement, ce soit fait dans l'autobus, dans la, dans la cabine de l'autobus, avec des perspectives, donc avec des gens qui soient assis euh, devant, donc plus près du micro, des gens qui soient assis un peu plus loin. Fait comme ça, on, on sent vraiment le chaos de l'espace. Puis idéalement, euh, je ne sais pas si je l'ai écrit. Ouais, je ne l'ai pas écrit, mais tu idéalement, même ça, on le prendrait en stéréo. Comme ça, on peut vraiment créer cette espèce d'oppression-là. Euh, donc là, ici, bon, si possible, enregistrer euh, la ride d'autobus sans les voix aussi, comme ça on a l'autobus avec la... Donc ça, c'est des, des notes comme ça. Je vais essayer de voir si y a d'autres choses qui pourraient être plus pertinentes ou plus intéressantes. Euh... Ah ben tu vois, ça c'est ça, ici c'est une note euh, pour le montage sonore. Donc là, ils sont, euh, les, les filles arrivent de l'école, elles arrivent dans le salon, puis là on, on lit ici, bon, Mila observe les alentours, Milia plutôt observe les alentours, tandis que Doudou s'affaire à changer le poste de radio et que Camille danse à ses côtés. Donc moi ici j'écris attention. Si on change le poste de radio, ça veut dire qu'on a de la radio tout le long. Dès qu'on s'approche de la maison, on va l'entendre par les fenêtres parce que c'est l'été, il fait beau. Ben, c'est l'été, c'est septembre, mettons, c'est la rentrée des classes. Donc, ça, c'est toutes des choses à penser qui, à l'écriture du scénario, on se dit, ouais, c'est super. Puis après ça, en, en réalité, on arrive, et on fait, ah, mais là, on est pris parce qu'on est pris parce que la radio, il faut qu'elle joue tout le long. C'est fatigant. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut beaucoup de droits musicaux ou beaucoup de musique à composer. Euh, tandis que ben, finalement, on a, on a opté pour faire « Hey, pourquoi qu'elle ne ferait pas juste mettre de la musique à un moment? » puis On le demande, la petite fait « Hey, Doudou, mets de la musique! » Puis là, elle va mettre de la musique. C'est des détails comme ça, mais qui, qui sont... Euh, que Moi, je fais juste décortiquer le scénario vraiment au niveau sonore, avec l'approche sonore. C'est un peu drabe. Je vais quitter la, la de part... arrêté le partage. Donc, c'est un peu drabe euh, comme lecture. C'est un peu difficile et ardu euh, lire des scénarios de cette manière-là parce que souvent, on nous envoie le scénario, euh, on le lit, mais on le lit automatiquement avec no notre euh, lecture de, de monteur sonore. Et à ce moment-là, on, on perd un peu l'essence des fois de l'histoire. C'est un peu bizarre à faire. Euh, ce n'est pas facile de lire des scénarios, je trouve. Mais bon, au moins, ça nous permet vraiment de décortiquer à fond et d'avoir une super bonne idée. Après ça, moi, je partage toutes mes notes qui sont liées au tournage avec la de son. Dans ce cas-ci, c'était Gaëlle. Je partageais toutes mes notes, puis je disais, OK, bien, idéalement, là, ma, ma liste idéale de sons les plus importants à, à enregistrer lors du tournage, ce serait ci, ça, 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 ça. Mettons, euh, les, surtout, mettons, les, les voilà des adolescentes. Il y a un moment dans le film où il y a un party, ben là, c'est sûr qu'on veut de l'action la, puis de la vie de party. Parce que si on fait revenir après ça des adolescentes euh, dans un studio euh, hermétique euh, avec une pression puis un micro, puis que là, il faut qu'elle soit naturelle, ça ne marchera pas aussi bien que si c'est pendant le tournage puis que les jeunes sont tous ensemble, puis c'est une gang d'amis déjà. Et ça coûte beaucoup moins cher à la production aussi. Il y a, il y a, il y a ce détail-là. Mais, mais c'est toute une histoire aussi d'authenticité de, de, qu'on essaie d'aller chercher. Euh... Ma, marc je peux te poser une question? Oui. Dans le fond, là, ça, ça veut dire que toutes les Wallace, là, on va vouloir les enregistrer euh, au moment du tournage dans le lieu de la scène. Fait que les Wallace, dans l'école secondaire, dans le gymnase, par exemple, ils n'ont pas le même son. Ils n'ont pas le même écho à cause qu'on est dans une gymnase ou à cause qu'on est dans la cafétéria ou qu'on est dans un sous-sol, dans un party. C'est ça? Ég ben, exactement. Après, euh, ça, ça aussi, c'est des, euh, des choix esthétiques euh, et budgétaires. Il y a, il y a, il y a ça. Euh, parce que pour de vrai faire venir une gang euh, d'ados dans des studios, à ce moment-là, il faut que ce soit des ados UDA. Donc là, tu refais, tu repayes euh, avec des tarifs UDA des gens dans un studio. C'est toute tout une autre gestion. C'est plus cher, c'est plus lourd. Puis aussi, euh, un détail important, c'est qu'avec Geneviève, justement, quand je disais euh, que c'était une cinéaste qui était très particulière sur ce qu'elle aimait par rapport au son, mais Geneviève ne tolère pas les sons refaits. Elle les entend tout de suite. Elle a une oreille affinée, incroyable, et dès qu'elle entend que c'est faux comme le brutage, c'est super difficile de lui faire passer du brutage parce que dès qu'elle l'entend, elle fait comme, ah non, ça sonne faux. Donc, c'est ça, ça faisait partie aussi des considérations pour le film de Geneviève, c'était d'essayer de prendre les choses les plus naturellement possibles. J'imagine, en tout cas, visuellement, ça va bien avec l'esthétique de son film où tout ça. a l'air très naturaliste, où on a l'impression... De vivre le moment qui s'écoule avec cette jeune fille-là. Il y a, y a comme un son qui serait naturaliste aussi, là, qui s'accorde bien avec l'image. Exactement. Euh, exactement. Pour d'autres films, ça va être complètement l'inverse. Pour d'autres films, tout ce qu'on veut, c'est de recréer tout puis qu'on soit complètement décalé de la réalité. Donc, ça dépend vraiment de l'approche. Euh, mais ça, ça, ça c'est des choix qu'on fait et qu'on qu établit, disons, au début, idéalement l'écriture du scénario, mais sinon, je veux dire, au fur et à mesure, assez rapidement, on essaie d'établir ça avec les cinéastes pour qu'on ait la, la même vision des choses. Puis l'autre chose que j'aime bien faire, sinon c'est pendant les tournages, j'aime bien me déplacer avec mon équipement. J'ai quand même un équipement de base. Puis là, je vais faire des, des sons libres. Euh, disons, pour euh, même pour... Euh, euh, comment ça s'appelle? Je <laughs> suis un gros blanc, j'ai l'ancienne version du, du titre. Mais pour tous ceux qui ne me lisent pas de Yann Giroux, mettons, ben là, je suis allée en, en, en location, il tournait dans un gymnase, je suis allée faire les enregistrements dans le gymnase euh, en double MS, donc pour avoir vraiment une, une, cette impression-là d'espace. Euh, tu avais comme les preneurs, la preneur de son qui travaillait, Lynn Trépanier, qui travaillait là. Euh, puis moi, j'étais à côté, puis je faisais mes enregistrements beaucoup plus précis et spécifiques. Je, pendant qu'eux tournaient, disons, dans une école. Eux autres, s'ils y avait un moment d'école secondaire. Donc, pendant qu'ils tournaient dans une école dans, la, dans le gymnase, moi j'allais, disons, tourner dans les vestiaires. Fait que là, j'allais faire plein de sons dans les vestiaires. Comme ça, j'en profitais. Puis pour moi, c'est bien mieux parce que ça sonne hyper naturel. Je ne suis pas en train d'essayer de fausser euh, un, un espace ou un, un sentiment de. Je ne suis pas en train d'essayer de matcher, disons, un son avec un autre qui vient d'une banque de sons par rapport au son du, direct du tournage. Donc, ça, c'est des choses qui sont fun à faire. Euh, euh, il y a Martin, Martin qui aimerait poser une question. Oui. oui. Merci, Hubert. Bonjour, euh, Marie-Pierre. Euh, oh. mont... J'enseigne avec Hubert à l'MCV. Euh, tu nous montrais euh, des notes qui étaient dans un scénario que tu disais non final. Est-ce que ces notes-là de son vont se retrouver tout le temps ou à tout coup dans le scénario final où ça va dépendre de la réalisation, ça va dépendre du temps de la production ou c'est systématique, tes notes font partie d'une version finale? Non, mes notes, elles sont juste pour moi, pour la preneur de son et pour la cinéaste. Euh, parce que dans le fond, c'est plus des réflexions, c'est pas. Moi, moi j'interviens pas dans l'écriture du scénario, où je fais juste proposer des choses. Euh, mais ces notes-là, bon, je, je leur transmets pour qu'elles qu le lisent et tout ça, mais ça, ça, reste quand même, ça reste quand même comme un, un peu un brainstorm là, à, à, ce, à cette étape-là. À part, à part justement pour le fait que euh, pour la preneur de son, bien, elle, ça lui permet de voir exactement, c OK, cette scène-ci, c'est vrai, il y a telle note, il y a telle chose à laquelle il faut penser ou bien... Il y a un, il y a un autre moment où euh, dans, dans la scène, il était écrit Bon, ben, justement, la mère discute avec sa sœur en background ben, J'ai écrit ben ça, il faut l'écrire, ce, ce texte-là. N'oubliez pas qu'il faut l'écrire d'avance parce que vous allez l'enregistrer sur place. Fait que vous, vous voulez savoir ce qui va être dit. On ne veut pas juste du n'importe quoi et de, de l'improvisation. Des Merci choses beaucoup. comme ça. Merci beaucoup. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, ben, puis le montage sonore, donc là, je parlais de la, la pré-production, mais après ça, en cours de montage image, on peut intervenir aussi. Puis c'est jamais des interventions qui vont être euh, intrusives, c'est toujours, dans le fond, l'idée, c'est de toujours nourrir le projet, puis d'essayer de construire au cours, tout, tout le long du projet, dans le fond, de construire une espèce de vision commune, puis une espèce d'objectif commun. Euh, pour savoir où s'en va le film puis qu'est-ce que va être le qu'est-ce qui va être ce film-là finalement de quoi il a besoin aussi donc pendant le montage image ça m'arrive des fois je vais, je vais aller voir mettons euh, c'est plus rare mais ça peut arriver là, je peux aller voir un, un montage qui n'est vraiment pas terminé mais au moins je peux commencer à réfléchir euh, sur euh, les besoins du film euh, je peux commencer à réfléchir avec la monteuse image ou avec la cinéaste euh, ok de, de quoi Comment le son pourrait nourrir ces moments-là? Euh, si C'est sûr que du documentaire très euh, direct. Euh, le son, il va être là juste, juste pour rendre ça naturel. Mais il y a des projets où, mettons, tu as une voix off, comment tu traites la voix hors chant? Dès qu'on sait qu'il y a une voix hors chant, dès qu'on sait qu'il y a des archives, par exemple, comment on traite ces archives-là, comment on réfléchit au traitement des archives? Euh, tout ça, ça peut aider le montage image parce que aussi, la conception sonore, c'est vraiment. Autant que le montage d'image impose un rythme à un film ou donne un rythme à un film, mais la conception sonore aussi le donne vraiment. On peut créer des liens qui, si on écoute juste l'image, va être. Une coupe va être hyper brute, mais si on rajoute un lien sonore, si on rajoute. Si on, 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 on finit un, 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 un extrait, disons, de. On finit une scène qui, elle, va se transformer au niveau sonore vers une autre, bien, tout d'un coup, la coupe n'existe plus, puis on est vraiment dans un espèce de continuum. Ça euh, que ça, c'est des choses qu que nous, on peut faire, qu'on peut aider, qu'on peut aussi pointer pendant le montage d'image. Euh, sinon, en général, ça, c'est vraiment idéal, puis ça arrive le plus souvent possible. On va quand même être là, euh, juste avant qu'il y ait un picture lock qu'on appelle, qui est euh, quand on. Quand on on lock l'image, les pictures lock existent de moins en moins, mais quand même, euh, dans le fond, juste, à, juste avant qu'on dise OK, c'est beau, le film est terminé au montage image, nous, on va aller, en général, les monteurs sonores vont le visionner. Puis moi, des fois, ça m'arrive de faire comme OK, ici, je, je comprends ce que vous voulez dire, ce que, ce que vous voulez faire, l'effet que vous voulez donner. Par contre, au niveau sonore, il va nous falloir beaucoup plus de temps sur ce plan-là. Si on veut établir quelque chose, si on veut créer un souffle, c'est beaucoup par rapport à, au souffle. Puis aux, aux, aux ponctuations rendues là, euh, rendues au, au, comme juste à, avant le picture là, c'est beaucoup, beaucoup des, des, des cues sur les souffles. Puis OK, moi j'ai besoin d'une pause ici, c'était très, très intense. Euh, ce qu'on a, qu a vécu, disons, dans la scène d'avant, on peut-tu garder un trois secondes de plus juste pour que le son pff, se dépose, disons, des choses comme ça? Et puis, bon, ben là, on arrive à l'étape de montage sonore pour vrai. Euh, là, ce qu'on fait quand on reçoit un film, euh, techniquement, euh, on va mettre le film sur nos serveurs ou sur nos ordis. On va commencer, on va recevoir les pistes. Les, les monteurs images nous envoient toutes leurs montres parce que quand, quand on monte l'image, on monte aussi un peu du son quand même. Donc, il y a plus que juste deux pistes de son. Qu on reçoit toutes ces pistes-là, puis là, on commence à faire un peu de ménage, on crée créer un ordre un peu plus logique. Euh, si c'est une fiction, souvent les monteurs images vont monter seulement avec une piste gauche-droite, euh, mais pas avec tous les lavaliers. Donc là, on va faire un, ce qu'on appelle un conforme. On va aller rechercher tous les micro-lavaliers pour chaque plan euh, pour vraiment avoir le choix euh, de, de tout, 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 euh, des perspectives, dans le fond, qu'on veut en avoir avec les voix. Euh, donc, ça, on est là. Ensuite, on a le montage-dialogue. Le montage-dialogue va nous permettre de justement faire tout le ménage de tous les micros, des bruits de micros du lavalier qui frottent, de tout ce qu'on veut. Euh, on va aussi aller chercher, dans le cas surtout de la fiction, mais ça arrive des fois en documentaire, on va aller chercher des... des disons des bouts de syllabes ou des mots alternatifs parce que... Euh, parce que à l'image, le jeu était parfait, disons, mais il y a une prononciation qui n'est pas parfaite. Bien, avant de se dire automatiquement, vite, il faut aller réenregistrer ça en studio et refaire venir la comédienne pour ce segment-là, essayons de chercher, voir quelles sont les autres alternatives, parce qu'il y a plusieurs prises, donc à chaque fois, il y a moyen de jouer avec tout ça. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse toujours. Là. Ça, on tombe comme dans, vraiment dans du détail technique un peu de Poutine. Mais justement, à ce moment-là, en faisant le montage de dialogue, c'est là où on va aller aussi euh, pointer partout où on doit faire ce qu'on appelle le Lady c'est donc de, de l'enregistrement, euh, de la réenregistrement ou de la post-synchro, dans le fond, le réenregistrement des voix en studio. Parce que, euh, par exemple, ça arrive, euh, c'est une scène, il pleut énormément dehors. Ben, pour qu'il pleuve énormément dehors, ils ont peut-être fait venir une machine à pluie, mais c'est un moment hyper tendre entre deux personnages. Donc, tu as une grosse génératrice sur des voix hyper délicates. Donc, ça, des fois, ça arrive que s'ils ne l'ont pas réenregistré euh, sur place, des fois, ils le font que ça marche. Mais sinon, souvent, on va aller le refaire en studio à ce moment-là en essayant de recréer vraiment la même perspective. Donc, pour la post-synchro, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reprendre le même micro qui a été utilisé pour la prise de son et un micro lavalier aussi, puis moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai le temps, c'est d'aller faire moi-même la, la, la prise de son sur place, donc de faire comme la perche, puis carrément de bouger un peu ma perche pendant l'enregistrement de la post-synchro, au lieu que ce soit un micro sur pied, euh, ce qui fait que nos personnages, nos comédiennes, nos comédiens sont beaucoup plus fixes parce qu'ils sont comme concentrés sur parler dans le micro, puis être synchro à l'image. Moi, je préfère enlever le micro sur pied, puis percher moi-même. Comme ça, ça fait qu'il y a plus de possibilités de bouger, puis le micro est moins, c'est moins, la distance est moins constante, donc c'est plus proche d'une prise de son traditionnelle, euh, même une prise de son fiction. C'est des petits trucs le fun. Euh, je, peux, puis... je peux poser une question ouais. encore? <laughs> dans euh, le documentaire dont tu vas parler tout à l'heure, «Tant que j'ai du respire dans le corps», euh, comment a été faite la prise de son? Parce que là, tu parles, tu sais, un micro qui serait mobile, mais là, on est dans la rue, on est dans une voiture de police, on est à l'intérieur d'une camionnette. Donc, est-ce que là, est-ce qu'on installe un micro à nos, à nos personnages ou non? Euh, oui, je pense qu'on peut dire. On n'est pas obligé Personnage, de mettre des personnages. Ouais, okay. ben, en tout cas, moi, j'aime je, moi, je bien dire que dans les documentaires, ce sont des personnages parce que. Pour moi, du documentaire, ça reste qu'on fait quand même du cinéma. On n'est pas en train, on ne fait pas un reportage, donc on n'est pas en journalisme, on n'essaie pas de rapporter la nouvelle. On, on, on pose un regard sur, sur une réalité, mais ça reste quand même notre regard qu'on qu partage. Donc, pour moi, c'est vraiment des personnages. Après, ça, ça dépend des gens, là, mais c'est comme ça que je les vois. Euh, même si c'est des personnages, on peut les traiter avec respect quand même. Là. Euh, mais bref euh, pour, pour tant que j'ai du respect dans le corps c'est pas moi qui ai fait la prise de son mais par contre euh, il y a quelque chose de super intéressant que je vais vous le montrer bientôt euh, par rapport à ça c'est qu'ils ont fait une prise de son en MS donc à peu près toutes les scènes sont tournées en MS puis le MS ce que ça fait c'est que euh, c'est un type de captation au lieu que ce soit juste un micro shotgun donc un micro perche qui soit très directionnel comme ça Bien, on a ce, ce centre là, ce micro de perche, mais on a aussi par dessus un figure 8, un micro figure 8 euh, qui permet donc quand, quand ce son là est décodé, ça permet d'avoir un vrai centre. Euh, là, je pourrais vous expliquer un peu plus techniquement ce que ça représente, là, mais imaginez-vous en cinéma, on est toujours minimum en 5.1, donc on a un gauche, un centre, un haut-parleur de gauche, un haut-parleur de centre, un haut-parleur de droite. Un haut-parleur euh, arrière droite et un haut-parleur arrière-gauche. Et le point 1, c'est évidemment euh, les basses, les extrêmes basses. Donc, quand on est en MS comme ça, puis qu'on décode ce son-là, ça nous permet de, de choisir la largeur, si vous voulez, de la stéréophonie du son. Donc, on a un vrai centre, donc on a une vraie perche, mais on peut ouvrir aussi plus large. Donc, on va avoir cette impression de stéréophonie quand même, ce qui est vraiment le fun. Et puis, je vais vous montrer, c'est très rare qu'on l'utilise, surtout en documentaire quand il y a de la voix, mais l'extrait que je vais vous montrer, justement, euh, on l'a utilisé. Bah ben tiens, je vais vous le montrer tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Pourquoi ce n'est pas souvent utilisé en documentaire? Euh, parce que c'est super bizarre. Parce que c'est bizarre de. <laughs> Ça, ça donne vraiment une impression, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu si vous avez vu Romain en, en salle, mais Romain le, le film, ils ont poussé beaucoup, euh, pas, pas le MS, mais ils ont poussé beaucoup l'utilisation, la, la spatialisation des voix dans l'espace. Et c'est vraiment désagréable selon moi, parce que euh, pour un chant contre chant, tu vas avoir ton personnage A qui est à gauche, contre chant, ton personnage A devient à droite, et là, la voix va être panée à gauche, et après, ça, la voix de ce même personnage va être panée à droite. Donc, on est comme, on, on perd un peu ce centre. La voix est toujours, le dialogue est toujours au centre à peu près en cinéma, là, c'est très rare qu'il ne le soit pas. Okay. Euh, donc, en ayant du MS, bien, à ce moment-là, ce, ce, ce que ça fait qui est étrange, c'est que si ta prise de son, ton micro est bien pointé, euh, sur ton personnage, ça va parce qu'il est au centre. Mais si, par exemple, le ou la preneur de son est un petit peu off par rapport à ton personnage, disons que la, la caméra est ici, le micro il est à peu près là, comme ça, puis le personnage est devant, c'est super. Mais si la caméra est là et le micro est comme ça, ça veut dire que ça va être surtout du côté gauche qu'on va sentir ouais. notre personnage. Et donc, ça, ça crée cette espèce d'impression de, de, de flou qui est pas hyper euh, qui serait pas hyper élégante normalement, mais pourtant que j'ai du respire dans le cœur, il y a des moments où je l'ai utilisé parce qu'il y a des moments de nuit qui sont euh, qui, qui sont plus de l'ordre du rêve ou du cauchemar, dépendamment, mais plus de l'ordre du rêve. Puis à ce moment-là, ça fait que tu es quasiment aussi high que tes personnages. parce que parce qu'ils bougent, parce qu'ils sont jamais complètement au centre. Fait que quand tu es vraiment en salle ou dans tes écouteurs, tu sens que même. Pourquoi j'ai utilisé ça, c'est que tu sens qu'en fait, tes personnages sont pas ancrés dans la vie. Ils sont comme désancrés. Il y a quelque chose de. de... Ça. Ils, sont... Ils, sont... ils sont pas groundés à ce moment-là. Ils peuvent l'être à d'autres moments, mais à ce moment-là, c'est un moment de crise. Puis ils sont pas groundés. Fait que... Le, leur, quasi leur, leur, leur centre bouge dans l'image, dans, dans le son. C'est -ce tu sais, super intéressant ce que tu as dit par rapport à comment le son amène une ambiance puis amène une personnalité aussi au, au personnage. Là. Ça, je trouve ça. Oui, bien. Comment, ouais, comment on peut travailler ça. Oui. Puis ça reste tout, euh, ça reste vraiment euh, de la théorie dans le sens qu'il y a beaucoup de choses que je me raconte, moi, quand je fais le montage sonore qui. Mm -hmm. En réalité, n'est pas tout à fait. Euh, on ne le ressent pas nécessairement quand on écoute le film. Mais moi, je me raconte ces histoires-là pour me trouver une ligne directrice, pour me trouver comme des outils. C'est comme. Je suis toujours un peu dans, le, dans cette idée-là de chaque film est un carré de sable. Puis là, ben, je vais décider avec quel. Avec une pelle ou avec un seau ou avec une pelle et un seau que je vais. Que je vais construire la patente sonore, disons. C'est un peu euh, souvent aussi, je, je me dis, c'est un peu comme quand j'aborde un film, je l'aborde en essayant de trouver c'est quoi son, son lexique, son vocabulaire, c'est quoi le vocabulaire du film, puis ça va être quoi justement les outils qui vont faire que, OK, ben moi, je me raccroche à tel, tel son, ça va être un motif dans le film finalement. Puis ça, ça se découvre, c'est jamais tout de suite, c'est jamais à la lecture du scénario. Pour moi, c'est jamais aller à l'écoute la première ou même la deuxième écoute du film. C'est rare, rare, rare. Ça, ça, ça se découvre souvent quand je travaille le, mon, le son direct. C'est souvent dans le son direct qu'à un moment donné, comme je pars dans des espèces de je sais pas, là, je creuse, je creuse, je creuse, puis à un moment donné, j'arrive puis je fais comme Ah waouh, ça, c'est intéressant! Puis là, Je le mets de côté, puis je, je le reprends une fois de temps en temps, puis je, je crée des motifs comme ça qui ne paraissent pas, mais qui... Euh qui, moi, me donne un guide pour euh, travailler le film. Je vais partager mon écran, ça y est, j'ai trouvé le moment. Donc, euh, si vous avez, je vous encourage vraiment à avoir des écouteurs, sinon l'effet ne sera pas aussi efficace. But I didn't make that fucking change who I am as a fucking person. I didn't choose to be a fucking victim. I survived it and I'm still going through it. My girl, okay, she, was, she got attacked. Give me a drop, please. She got attacked, okay? okay? They, they called the police saying they're attacking this woman. The cops, they asked what race is it. 45 minutes just because I said native. They didn't show up. If it would have been anybody else, they would have been there on the spot. Or say you got a fucking gun or something. Yeah, right away. No, because it's native, I'll let them kill each other. Nah, 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 it was bad. That's not fucking fair, man. Goddamn Winnie the Pooh died fucking, what was it, last night or the night before? You think somebody gives a fuck about her? Fucking. Those other girls that died. Nobody cares. All they do is go home and tell their kids what a great job they did for today. And the kids are so proud of them because you're mayor, you're prime minister. But what about these fucking people that fall through the cracks and fall on the ground and fucking die? What about them? Nobody gives a fuck. But you know what? I do. Cause I knew every one of them personally, name by name, face by face. And it fucking hurts when you wake up in the morning and another one's gone. It fucking hurts. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, c'est discret quand même, parce que euh, rendu au mix, on s'est quand même euh, rendu compte qu'on ne pouvait pas aller trop loin, trop large, parce que ça bougeait beaucoup. Donc on a un peu... Euh, on a un peu moins euh, élargi le, le MS, mais on le sent. Nos personnages, ils bougent un petit peu, ils shiftent un peu de gauche à droite. Ils ne sont pas carrément ancrés au centre. Ça, des, moi, moi c'est quelque chose que je, voulais, euh, que je voulais travailler, puis je m'étais dit, on le garde jusqu'au mix tel quel. Puis rendu au mix, euh, avec Isabelle Lucie, qui est mixeur à l'ONF, euh, on, on a pris la décision d'être un peu moins wild. Mais, mais c'est le fun, justement, cette. Ce qui est le fun de la conception sonore aussi, c'est que vraiment le, la conception sonore n'est pas figée, jamais, 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 à part comme au dernier playback au mix, parce qu'on peut toujours bouger des choses, on peut toujours changer des choses. Évidemment, l'important euh, pour les cinéastes, c'est quand même d'être comme assez constant puis de que la vision de départ reste. On peut changer d'idée, on peut explorer des choses, mais, mais rendu au mix, c'est sûr que on veut qu'est-ce qu'on a tout préparé, toutes les pistes qui sont préparées, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui a été réfléchi va tenir la route quand même. Euh, parce que des fois, ça devient déstabilisant de rendre à la toute fin quand oh, on décide de tout changer, mais il y a 120 pistes d'éléments de, de, sonores, là, puis il y a une construction, c'est vraiment un casse-tête, c'est vraiment un, un petit château de cartes. Des fois, des fois, non, mais il y a des fois où c'est vraiment un petit château de cartes, puis si tu enlèves... Tel son, bien, tout d'un coup, fuit, fuit, mm. la structure et toute la, toute la suite logique ne tient plus. Euh, ça. Une question, Marc-Pierre, oui. par rapport à l'extrait que tu nous as montré, parce que la musique est quand même euh, très importante dans, dans cet extrait-là. Je ne sais pas si tu peux nous en parler euh, tout de suite de ça, à quel moment est arrivée cette musique-là. Puis, je sais pas si tu parlais de, du son qui, qui, qui se promène des individus, mais la musique aussi se promène euh, aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a peut-être pas tant l'impression que... Que, que la parole se, se, se déplace tant que ça, mais euh, que ça, ça, ça bouge de partout en fait dans cet extrait-là. Puis en plus, ce qui est dit, bien, ça nous frappe euh, en pleine face. Oui, oui. Ouais. Euh, ben, cette cette musique-là, euh, c'est. Euh, moi, moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le choix de Steve Patrick euh, d'être très, euh, très assumé dans son choix de musique. Euh, dans, dans, dans la direction qu'il a demandé aux musiciens là. Euh, parce que a, le musicien a pris un sac boot, entre autres et il y a comme plein d'instruments euh, qui sont très cinématographiques puis ce qui est le fun c'est que pour un, un documentaire comme celui-là qui aurait pu être vraiment avec une approche documentaire social euh, à la limite documentaire engagé, social, très factuel disons ça aurait pu être ça ça aurait été super bon aussi les personnages sont forts tout ça mais il a décidé de, de, de l'amener comme une coche de plus puis ça nous ça permet plein de liberté à ce moment là euh, puis je vais peut-être en profiter même tout de suite pour vous faire entendre l'autre extrait que je voulais vous faire entendre qui est le, le début du film je vais vous faire entendre la version sans son, donc sans, juste avec le son direct, avant qu'on travaille le son, puis évidemment, là, c'est une musique temporaire qui va embarquer à un moment donné que vous allez entendre. Puis tout de suite après, je vais vous faire entendre la version, euh, la nouvelle version, le mixer, tout ça avec un montage sonore. Puis vous allez voir, vous allez voir. <laughs> Et entendre. Oui, oui, tout le temps. Non. Ah, pas grave. Grave. Au moins, c'est ah, une couvate. Ah, <coughs> au moins, les couverts sont là. Principales, on n'a pas fait de tabarnak. Ben oui, la dernière fois, t'as suivi. Alors, ça, c'était la version non montée. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec ça.

je, je, je me suis basée sur le rythme des pas. Évidemment, le, le film, ça s'appelle Tant que j'ai du respirer dans le corps. Il y a définitivement la, <laughs> la, la thématique de la respiration. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur les pas euh, qu'on entendait au son et je me suis moi-même un peu euh, euh, étourdie en respirant rapidement, rapidement pour que ma respiration devienne un peu plus difficile. Et, et je me suis mise à, à respirer sur le rythme de ces pas-là. Donc, au lieu d'entendre les pas au début, ce qu'on entendait dans la version originale, ben non montée, c'est que c'est le souffle qui est sur le rythme des pas. Après, quand on arrive à l'image, le souffle suit les pas aussi. Donc, on a ce, cette idée-là euh, que, que, bon, que nos personnages, en fait... Euh, on, on les suit vraiment, puis on est comme un peu avec eux, mais dans, 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 leur, dans la base, dans la survie, un peu dans la respiration. Euh, ensuite de ça, on a le moteur, le moteur du camion qui arrive tranquillement. Puis là, on a entendu aussi une musique. On a un... comme ça, un genre de drone qui embarque à un moment donné. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le moteur du camion, le, le, le moteur, le son original, mais je l'ai pitch-shifté pour qu'il arrive exactement à, au, à la même tonalité. Que le drone de la musique. Fait que finalement, tout ça devient un peu une espèce de gros, gros mélange. Oh, puis qu'on rentre tranquillement dans une réalité, mais on n'est pas tout à fait là. On est, on est quand même un peu on est, on est méfiant, on n'est pas avec eux autres tout de suite, on, on les observe de loin. Euh, ça, ça, ça j'ai beaucoup aimé ça, puis ce que j'aime vraiment de cette entrée-là de film, c'est que ça donne le ton tout de suite. Pour moi, comme ce film-là, justement, la musique est très cinématographique. Il y a des moments euh, qui, qui tiennent plus de, de, de l'expérience humaine, puis de, des impressions, euh, puis du rêve quasi, là, ou du cauchemar, comme je disais tout à l'heure, qui tiennent plus de ça que de, que de la réalité. Donc, commencez le film avec une posture vraiment comme voici, vous êtes au cinéma, vous allez écouter un film et on vous raconte une histoire. Et on va vous la raconter avec, euh, avec nos lunettes. Ou en tout cas, on vous met des lunettes, puis voici comment vous allez euh, expérimenter cette, euh, ce moment-là. Euh, donc, ça, c'était assez intéressant pour moi, ce, cette entrée-là de film. Puis après ça, bien évidemment, quand on rentre dans le camion, on, on entend les voix, mais les voix ne sont pas, sont pas tout à fait en premier plan elles sont un petit peu loin encore. On a comme un filtre tout le temps. Puis on entend des gens qui se réchauffent les mains, on continue à entendre un souffle, un... Ça, On n'a pas continué l'extrême, le, le, mais ça revient tout le temps, cette espèce de. Les gens au froid, ils se réchauffent les mains. On a le moteur, le moteur change, il, il devient de, de moins en moins un vrai moteur. Donc, c'est ça. Voilà, ça c'était pour le la, la petit décortiquage de ce, ce segment-là. Avez-vous des questions? J'en ai une, en fait. Euh... Ouais? Le, le bruit des pas, il a, il a été modifié aussi un petit peu. Il me semble qu'il est dans, dans la deuxième version, il, il est plus présent ou en tout cas, il, dans la première, j'ai l'impression que ça, ça des fade, fade out un peu, là, son, son ouais, exacerbé on, un peu. Oui, on l'a bruité aussi. En fait, on a bruité ces pas-là pour justement avoir beaucoup plus de contrôle, euh, pour que je puisse vraiment bien m'isoler si je veux. L'avantage du bruitage, souvent, ben, de un, ça va venir patcher des moments où... Euh, le... On peut utiliser le bruitage pour bien des choses dont euh, si on n'a pas le son direct ou si notre son direct est vraiment pas beau, ben on va tout bruter pour que ça ait l'air naturel. On va faire de la gainée, on va faire les pas, les manipulations, des choses comme ça euh, pour que ça aide, pour qu'on ait l'impression d'être dans la réalité. Euh, mais, mais ça sert aussi. Moi, des fois, c'est aussi comme un, un outil d'expression. Donc <laughs> Dans ce, dans ce contexte-ci, les pas ont été utiles en brutage parce qu'on a pu, à un moment donné, comme les isoler puis les avoir plus évidents, puis qui se mixent vraiment bien avec la voix sans avoir tout le moteur, sans avoir le moteur de l'auto-police de police à côté, puis la manipulation de la porte, puis les voix, puis tout ça. C'est intéressant parce qu'en documentaire, on a l'impression qu'il faut coller. Euh à la réalité des fois, mais le, le bruitage nous permet d'atteindre cette réalité-là, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est une belle démonstration. Oui, oui. Ouais. Ben, en tout cas, mais moi, je, moi, je suis vraiment pas d'avis que le documentaire, c'est de la réalité, c'est ça. Il faut vraiment... Faut vra... C'est une, une réalité. De... Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est une réalité, puis c'est une vision d'une réalité, en fait. Il fait faut vraiment... Euh... Il faut se donner de la liberté en documentaire, je pense. Euh, ce n'est pas tous les films qui, qui proposent ça. Ce n'est pas tous les films qui ont l'espace pour ça. Puis pour certains films, ça ferait vraiment euh, gimmick, puis euh, très manipulé. Mais tu vois, dans ce film-là, on manipule à fond. Tout est manipulé. Je veux dire, nos personnages, des fois, ils parlent, puis la voix, on, on fait d'autres la voix, puis ils continuent à nous parler devant nous. Tout ça, on manipule à fond. Mais pour ce film-là, ça marche parce que le, le, la proposition est comme ça. Euh, Marie-Pierre, il y a deux personnes qui ont levé la main. Oui. Euh, si je me fie à ce que je vois à l'écran, je crois que c'est Françoise qui a posé une question en premier et ensuite Julien. En fait, c'est le conjoint de Françoise. Je ah. vais te demander, euh, Marie-Pierre, euh, à un moment donné, le chauffeur retourne une page, une feuille de papier. Ça a été refait, ça, je pense, hein, le son. Euh, oui. Oui, parce que dans, 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 le, dans le. fond, toute, toute cette scène-là, justement, je voulais avoir tous les éléments séparés pour pouvoir vraiment bien contrôler et décider si je voulais euh, tel son ou pas. Si j'éliminais complètement le moteur du son direct. Ou, euh, donc, oui, ça a été refait. Bon, ça, va, ça va dans tous les. Dans le, oh, ça va dans bon. Ça va dans tous les détails à ce moment-là. Ça, ça peut être très long de faire le, 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 le montage sonore d'un... D'un film finalement. Mais pour, pour un documentaire, c'est environ 20 jours. Mais je ne fais pas tout. Je ne fais pas tout. Euh, parce que justement, les bruteurs vont bruter. Euh, le mixer, ça va être aussi un, un autre normalement deux semaines à peu près. Euh, mais il y a énormément de pistes, il y a énormément de petits fichiers quand on regarde un, dépendamment de la complexité des films, mais quand on regarde une fiction, par exemple, on on scrolle dans les pistes sans arrêt avec tous les petits sons puis pour chaque petit son ben, surtout dans le son direct j'ai enlevé tous les petits clics puis les petits tchou -tchou, en tout cas c'est une partie de travail de moine des juste que tu enregistres toi-même à ce moment-là ça dépend ouais. comme la feuille de papier là c'est toi qui l'as ça c'est le bruitage c'est au bruitage, bruitage. c'est pas moi ouais c'est ben, ça, ça ma question c'est par rapport à ça aussi Je j'étais pas sûr de c'était quoi qui englobait Concepteur sonore, si ça faisait partie du mixage ou non, donc toi tu dis que tu ne mixes pas nécessairement, en tout cas pas dans lui. Non, euh, moi en fait, l'étape le, 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 du mix, je l'adore. Quand j'ai commencé en montage sonore, l'étape du mix c'était l'étape où j'avais le plus peur, puis c'était comme le plus gros stress parce que j'avais tout le temps peur de pas bien livrer les choses comme il faut au mixeur et tout ça. Mais maintenant que je le sais et j'ai plus confiance en moi un peu, euh, c'est vraiment une étape le fun parce que euh, j'aime bien arriver avec ma matière. C'est comme, c'est une étape, c'est une suite logique en fait. Euh, les, les, dans le fond, les cinéastes vont écrire un scénario, vont, vont, le, vont, le, vont, le, vont le transmettre euh, aux gens à la caméra, puis à la prise de son. Après ça, de là, ça va être transmis au montage image. De là, c'est retransmis à moi. Disons, puis après ça, c'est transmis à un mixeur. Bon, puis, ou si on parle de la colo, on peut parler tu sais, de toutes les étapes de post-production sonore, euh, de post-production tout euh, court. Mais moi, cette étape-là, de, de moi, je passe le flambeau, puis voici ce que j'ai proposé, puis maintenant, on, comment on peut le faire encore mieux ou qu'est-ce qu'on peut rajouter? Parce que c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui rebondir aussi, qui, qui va apporter son expertise, qui va apporter aussi sa, sa vision de la chose. Comme, comme pour les bruteurs. Quand on travaille avec les bruteurs, ou la... quand je dis brutage, je parle brutage, donc ça va être autant assistante bruteur que bruteur, que, que la personne qui fait la prise de son de brutage, ou, ou le mix, c'est vraiment un travail d'équipe. Et finalement, l'idée, c'est, en tant que conceptrice sonore, c'est de transmettre le plus clairement possible, c'est quoi la vision, c'est quoi le chemin à prendre. Et après ça, bien, les différentes personnes vont, euh, les différents corps de métier vont essayer de suivre cette logique-là, mais vont aussi bonifier. T'sais. Ils vont apporter leurs propres idées et leur propre expertise. Un, un exemple, tu sais, euh, je ne sais pas, mettons, de, de choisir la surface. Mettons qu'on ne voit pas la surface sur laquelle la personne marche ou on ne voit pas les souliers, disons. Les souliers, ça, c'est comme un des exemples les plus. Euh, les plus intéressants pour le bruitage et les plus évidents, c'est euh, on, on marche dans la rue. Si on entend quelqu'un, si on entend des talons dans la rue, clac, 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 tu t'imagines tout de suite un profil de personne. Si tu entends des pieds qui se traînent par terre, euh, si tu entends euh, des gougounes qui font ça, clac, 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 clac ça, ça, ça va aussi parler de la personnalité de la personne qui est porte. Fait Au brutage, des fois, moi, je peux, je peux diriger certaines... certaines, euh, Je peux donner certains cues, disons, en disant, OK, ben ça, c'est un personnage, ça c'est vraiment un personnage droit, c'est sec, c'est... Je sais pas, là, c je dire un cliché, là, mais c'est un comptable puis il euh, y a des petits souliers secs puis pointus, tu sais. Fait que, fait que ça, ça, va, ça va donner comme une, une, une troisième dimension à, à notre personnage. Que, mais les bruteurs peuvent faire aussi ces choix-là. Oui, mais donc toi, c'est vraiment axé sur ça euh, de la personnalité au son, en tout cas que ça fonctionne selon l'histoire vraiment. Oui, ben tu sais, c'est ça. Puis en, en conception sonore, ce qu'on va faire, euh, disons pour une fiction, c'est rare qu'on fait tout parce que c'est énorme la charge de travail. Pour un long métrage, la charge de travail mmh. est vraiment énorme. Puis à un moment donné, je pense que tu n'aurais plus de j'aurais plus de, de, de recul. Donc euh, tout le montage dialogue, souvent, ça, on va faire ça en équipe. Fait, moi, je travaille dans une coopérative de monteurs sonores. On est tous concepteurs sonores, mais euh, qui est comme un peu un, 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 un poste qui est, qui est un poste comme de supervision un peu plus, disons. Mais euh, moi, je vais embarquer sur le projet d'un de mes collègues pour faire le montage-dialogue de son film. Puis donc là, là c'est beaucoup plus technique comme, comme type de ouais. travail. On, on nettoie, on enlève les bruits, on choisit les micros, on... on prépare des pistes alternatives pour certains jeux qu'on trouve peut-être moins bons ou moins audibles, des choses comme ça. Et donc, tu as le montage dialogue. As, euh, dans, dans, dans les pistes, disons, qu'on donne au mixeur, tu as, as toutes les pistes de son direct avec le dialogue, les pistes de son direct qui est juste du son synchro de tournage. Puis là, après ça, il y a tous les effets sonores, donc les ambiances, euh, les effets spécifiques... Euh, ponctuels comme euh, des, des moteurs de voiture, des portes, euh, toutes les, les fameuses poignées de porte, euh, toutes les. Euh, je sais pas, euh, une switch de lumière, n'importe ah, quoi, mais tu ouais. il y, y a tout ça, puis il y, y a aussi une partie que moi je nomme Sound Design qui n'est vraiment pas logique, mais bon, c'est ma manière de... de, de... D'organiser ça dans ma tête, mais qui est, qui est plus une partie, disons, de, 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 de sons plus créatifs, qui va être comme des drones, des effets vraiment, des trucs un peu plus. Euh, des, des vents qui vont plus. être un peu plus weird, qui vont être plus expressifs, c'est ça. et après Merci. ça, nous, on intègre aussi la musique, on intègre le bruitage, on va recaler le bruitage un peu parce que les bruiteurs sont super forts pour faire tout synchro, mais des fois, pas parfait, parfait parce qu'ils ont des listes énormes à faire en, en deux jours. Là. Fait, on va recaler tout ça aussi. On va intégrer la musique. Dans le fond, nous, après ça, on apporte ça euh, au mixeur ou à la mixeur. OK. Merci beaucoup. Ah, Peut-être une question par rapport à, à ce que tu viens de dire. Des fois, j'imagine que les, les réalisateurs, les réalisatrices ont des idées de son. C'est un petit peu comme les gens quand ils vont chez le, chez, chez, chez le garagiste, là, qui essaient d'exprimer de, les, les bruits qui fait leur voiture. Et ils vont essayer de, 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 de le nommer, de le faire, mais eux, ils doivent te transmettre leur intention. Comment ça se fait, ce, ce, ce dialogue-là, en, entre toi et les réalisateurs et les réalisatrices, pour essayer de trouver le son qu'ils cherchent, mais qui ne savent pas comment faire, en fait? À moins que ce soit André-Philippe Gagnon, là, mais je ne ouais. pense pas qu'il ait fait de film. Bien. <laughs> C'est un peu de laisser erreur. Des fois, euh, on va essayer de, de, de fouiller, de voir. C est, c est, ces trucs-là, c'est beaucoup lié à la musique, souvent. Justement, on, on peut parfois, en conception sonore, avoir un certain rôle non, non officiel de, de traduction entre les personnes à la, à la composition originale, la composition de musique et la réalisation. Parce que... Euh, parce que des fois, à la réalisation, ben, il y a des choses, choses qu'ils veulent, mais c'est pas clair, c'est pas hyper précis. Puis ils ont peut-être pas de formation musicale. Donc peut-être qu'un son de basse, pour eux autres, ça va être un son de drum ou, euh, ou un son de clochette. En réalité, c'est une cymbale. Fait que des fois, il <laughs> faut juste faire un peu de traduction. Euh, des fois, c'est des appels conférences ou des... <laughs> qu'on qu se ensemble. Mais... Euh, mais oui, souvent, souvent, on va essayer des choses avec, avec la musique quand, 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 à la réalisation, ils ne réussissent pas à avoir exactement ce qu'ils veulent. C'est comme moins difficile, des fois, de ramener les pistes euh, proposées, disons les maquettes de musique, qu'on les intègre au montage son, en studio ensemble. Puis là, on... là, les musiciens ne vont, vont pas m'aimer d'entendre ça, mais ça arrive des fois, tu sais, qu'on traficote un peu les pistes, qu'on se dise, ah oui, mais ça, c'est super, sauf que le rythme, en réalité, le punch ne devrait pas être à 7 coups-ci, mais plutôt à 7 coups-ci par rapport à tout ce qu'on a créé au niveau du montage sonore. Euh, ça serait beaucoup plus efficace si disons la pause était ici ou des choses comme ça. Fait que là, on, on peut un peu traficoter puis essayer aussi de jouer un peu. Puis là, ça leur donne des outils pour après ça dire ouais, ok, ça ça marche moins, ça ça marche bien, mais ça ça marche moins. Mais ça ça dépend vraiment des cinéastes. Il y en a qui sont super bonnes pour exprimer. Euh, leurs besoins, d'autres qu'ils sont moins. Tu vois, moi, quand j'ai réalisé mon film, c'est drôle parce que je suis habituée, je fais ça tout le temps avec les gens. Puis quand j'ai fait mon film, j'étais incapable de savoir quel type de musique je voulais, comment, est-ce que ça marchait ou pas dans la scène. Euh, c'est super difficile pour moi. Parce que je suis comme trop collée, puis je suis trop habituée à mes, à mes tracks temporaires que j'ai mises, puis que donc c'était donc parfait d'Alida à ce moment-là. Tu sais. Mais <laughs> ça c'est le film It's Alright Michel dont tu parles oui oui tu vois pour ça ça a été difficile pour moi mais pourtant je, je fais ça à chaque projet à peu près de parler de la musique puis de qu'on en discute puis qu'on essaie de trouver c'est quoi les points forts c'est quoi les points faibles puis qu'est-ce qu'on peut travailler qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi il y, a, il y a quand même aussi tout un dialogue, d'ailleurs, parlant de musique. Il y a tout un dialogue à avoir aussi avec la personne qui fait la composition musicale, entre moi et la personne qui compose. Des fois, ça va dépendre qui prime, ça va dépendre du projet. Mais il y a des fois où moi, je sens que euh, certaines scènes, je ne peux pas avancer du tout tant que la musique n'est pas presque barrée parce que. Euh, je ne sais pas quel type d'instrumentation va être utilisé, je ne sais pas dans quelle tonalité. Fait que moi, si je pars dans un moment un peu plus justement sans sound design, là, un peu plus expressif. Euh, à ce moment-là, je ne peux pas m'avancer parce que peut-être que je vais être comme juste un petit peu détuné de la musique ou euh, je vais vraiment être dans, les mêmes, dans le même range de fréquence que la musique, puis ça va juste se battre ensemble. Fait que ça, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui doivent être faits. Euh, entre la musique puis le, la conception sonore puis tu vois là le projet sur lequel je suis en train de travailler présentement euh, qui est un, un projet un peu plus expérimental puis j'ai essayé par tous les bords de, de rentrer dans le film tu sais, j'ai même fait la liste du bruitage avant puis tout ça puis je réussissais pas à rentrer dedans puis à un moment donné j'ai fait ok mais dans le fond c'est parce qu'il me faut la musique si j'ai pas tant que j'ai pas la musique je suis pas capable de vraiment rentrer dans le film puis de, de choisir la direction parce que je ne sais pas encore avec quels outils je vais travailler. Hum. C'est vraiment propre à, à chaque projet. Oui. Je euh, rebondis là-dessus. Dans le fond, tant que j'ai du respire dans le corps, la musique, elle sais, comme elle va venir se fusionner un peu avec, euh, avec le reste du bruitage. C'est arrivé quand cette musique-là? que tantôt tu disais j'aime le choix assez comme assez assumée, assez bold là, de, de la musique. Puis elle vient vraiment, parfois, se mélanger. On ne sait pas si on entend de la musique ou si on entend euh, des sons. Euh, C'est arrivé quand cette, cette collaboration-là avec le, le, la musique? Elle est le, Pour ce film-là, moi, j'ai commencé à monter avec les musiques temporaires pendant un bout de temps, euh, <coughs> qui étaient des... des, des des bouts de, de, de soit de bande-son ou de, de musique un peu plus, euh, plus expérimentale, disons. Pardon C'était plus électro, euh, euh, plus électro il me semble. Ouais, ouais vraiment. Puis, euh, oui, il n'y avait pas d'instruments. il euh, n'y avait, y avait pas de vrais instruments, disons. Um, puis, euh, ben, vrais instruments, <laughs> Excusez-moi. <laughs> mais non, en mais il n'y avait, ouais, avait pas d'instruments. Physique, euh, oh, oh, en tout cas, il n'y avait pas de sac-bout, <laughs> disons, disons ça. Puis, euh, bon. puis euh, donc, moi, je m'en avec plus une approche électro. Justement, je m'en allais là-dedans. Mais bon, euh, pendant ce temps-là, moi, je montais le son direct, parce que je commence toujours avec le son direct d'abord, pour commencer, pour rentrer dans le film, pour un peu comprendre la matière aussi avec laquelle je vais travailler. Puis, là, je suis en train de monter le son direct. Puis à un moment donné, quand cette musique-là est arrivée, j'ai vraiment j'ai sauté un peu là. J'étais comme Wow, ok, c'est là où on s'en va. <laughs> ok. Euh... J'étais déstabilisée, je l'avoue, mais j'étais bien déstabilisée. C'était le fun. Puis quand je me souviens que Steve l'avait fait entendre à Nathalie l'amoureux qui a monté, euh, qui a fait le montage image du film, puis j'avais croisé Nathalie, puis j'avais dit ah, tu vas voir la musique, tu... c'est surprenant, c'est surprenant par rapport à ce qu'on avait. Puis ben, finalement, c'est ça, on, on l'a tout bien embrassé. C'était assez. Euh, c'est assez le fun. Mais tu vois, moi j'avais commencé tout le travail du son direct. Fait que je n'étais pas encore allé trop loin dans tout ce qui est un peu approche plus expressive euh, du son. Puis Quand ça s'est arrivé à ce moment-là, ben là, moi je me suis collé à ça parce que premièrement, c'était tellement beau. Tu sais, on, on, a, on, on a fait des petits allers-retours euh, avec, euh, avec Bernard, avec Bertrand, excuse, puis, euh, puis Steve par rapport à certains cues, quand on était moins sûr que si, bon, une pause ici ou une pause plus là, tout ça, mais il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours, puis ça a été très efficace, puis après ça, moi, je me suis dit, OK, ben cool, je pars de ça, puis là, ben moi, je viens je viens de trouver des points d'ancrage, puis je viens d'essayer, j'essaie de, de m'immiscer à quelque part dans la musique, ou en tout cas, sinon, de, de faire en sorte que la musique arrive de manière un peu plus discrète. Donc moi, mettons, dans mes ambiances, euh, il y a un moment donné, je me souviens, on est dans, dans l'auto, c'est un moment très fort où, où le personnage parle du fait... Euh, dans, une, dans une auto de police, on est comme sur la, sur la 720 à Montréal, il pleut dehors, puis le personnage parle du fait qu'il euh, ben, qu a été... qu'il n'y qu a aucun respect pour l'humanité le, le, puis qu'il... Le, la partie qui voudrait le plus changer chez lui, c'est son corps parce qu'il a été abusé toute son enfance, puis son corps, c'est vraiment cru ce qu'il dit, c'est vraiment fort, là, si vous l'avez vu. Euh, puis le, le personnage, lui, prend une pause, puis carrément regarde la caméra. Puis la musique embarque tout de suite après. Puis si la musique est, est embarquée tout de suite après, disons si moi je n'avais pas créé cette espèce de petite amorce. Euh, subtil en comme détionnant tranquillement le moteur de l'auto pour que tout euh, comme si on ralentissait, tout, tout s'est mis à ralentir tranquillement vers la fin quand il nous regarde dans les yeux. Puis ça fait en sorte que la musique arrive et qu'elle n'est pas plaquée. Fait que est des... Pour ce film-là, c'était vraiment le fun. Il y avait, il y avait vraiment comme on, on essayait toujours de trouver des entrées puis des sorties à la musique euh, avec, le, avec la, les ambiances. Et, si, si je comprends bien l'ordre des choses, en fait, la musique a été conçue à partir du montage. Après ça, la musique arrive. Toi, tu avais commencé le, 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 le travail son, puis la musique est venue réinfluencer le, le travail du film par la suite. C'est intéressant de voir comment ça, ça circule de, de la création. Oui, c'est ça. Mais c'est est ça qui est, qui est vraiment le fun dans ça, c'est que en, en tout cas, c'est rarement figé, les choses sont rarement figées. Tu sais, la, la, ça arrive que la musique soit quasi finie quand je reçois, mais c'est très rare. Parce que souvent aussi, je veux dire, même au, au niveau logistique puis de calendrier, euh, moi, je reçois le projet quand le film vient d'être fini, barré, le montage image vient d'être barré. C'est la même chose pour les gens la musique. Ils vont recevoir... Le film à peu près en même temps que moi, fait que le temps que moi je commence le montage dialogue, euh, elle ou eux peuvent commencer tranquillement euh, la composition. Puis là, ben il va, c'est à ce moment-là que les échanges se font. Puis des fois, disons, euh, si un projet, disons que pour un projet sur lequel je suis en train de travailler, mettons que j'apprends que la musique ne sera pas finie avant. Euh, deux semaines ou trois semaines, mais moi, il me restera en, ré... en théorie une semaine de travail. Bien, je vais prendre une pause souvent, puis je vais attendre de recevoir vraiment la musique finale. Puis là, je vais finir le projet à ce moment-là. Parce que je veux, je veux vraiment, ça dépend là, des projets, mais en général, je veux vraiment réussir à ce que... Moi, je... Tout ce que je veux, c'est de créer des amorces là, au début, puis à la fin, puis je veux m'assurer que tout est correct, puis que je suis pas non plus en train de me battre contre la musique ou que... C'est ça. Moi, je ne sais pas s'il y a une autre question en, en banque, mais moi, j'aimerais te ramener euh, avant, avant le tournage, parce que je trouvais ça quand même vraiment intéressant ce que tu as dit, comment ça, bon, ça, 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 ça oriente le, le tournage d'une certaine façon, la, la présence d'une conceptrice sonore avant, ça se permet de, de, de mieux planifier le tournage, puis de, de se ramasser avec, avec, pas avec des mauvaises surprises. Euh, mais tu as parlé de la signature sonore du film que tu amènes. Une autre signature qui est forte, c'est la signature visuelle d'un film. Euh, c'est quoi ton rapport avec l'équipe euh, de direction photo et, et autres euh, quand tu es amené à, à participer à, à l'étape de scénario, avant, avant le tournage? Ça, en général, on, on, nous, c'est rare qu'on puisse rassembler tout le monde ensemble. Euh, je ne connais pas non plus tous les gens à la direction photo euh, au Québec. Là des euh, gens avec qui je collabore souvent vont collaborer aussi avec la même équipe au tournage, souvent donc finalement on, on finit aussi par savoir un peu qui va tourner comment aussi mm -hmm. euh, mais par exemple pour une colonie je, je, je connaissais, j'étais certaine de savoir quelle, à quoi allait ressembler la caméra pas mal t'sais. et donc à, à ce moment-là je le sais qu'on va être mais c'est parce que ça fait partie de la signature de la réalisatrice aussi. On est, on est très réaliste, on est très proche du documentaire, on est, on est plus proche d'une chorégraphie entre la caméra et nos personnages qu'une caméra qui est très posée. Euh, fait à ce moment-là, moi, je le sais aussi qu'au nouveau sonore, on va vouloir s'en aller dans, ce, dans cette optique-là. Euh. Puis tu sais, après... C'est sûr qu'on a toutes nos grandes théories puis nos histoires qu'on se raconte dans nos têtes. Puis le... après ça, ben, le, le tournage, souvent, il... le film se crée par lui-même aussi. Là. Je veux dire, on, on, on plante les graines, mais le jardin, on ne sait pas trop de quoi il va avoir l'air après. Là. Euh... <laughs> fait que, on, on pitch plein d'idées, on, on, on lance plein de canapèches en se disant il y a quelque chose qui va mordre là-dedans. Puis ça va donner une direction, puis cette direction-là, on va la suivre. Après ça, ça, ça devient comme une, une petite rivière qu'on suit, puis qu'on ne faut pas se battre contre un film jamais là, non plus. Il faut, faut le laisser, euh, faut, faut, faut laisser vivre, il faut, faut trouver la, la, la manière avec laquelle il va le mieux vivre, disons, le mieux se. se... Ouais, grandir, je Prendre racine. Exact. Tant que c'est pas un jardin de navets, ça va, c'est correct. C'est bon du navet. <laughs> et, et des navets aussi, mais pour d'autres raisons. <laughs> oui, c'est ça. Euh, Est-ce que j'ai d'autres trucs ben, Il y a une question dans le chat. Oui. Ça. à euh, hein, la personne qui l'a posé, ça fait déjà un petit bout de temps, mais c'était à propos euh, du MS. Euh, la personne se demandait est-ce que c'est mid-side. Euh, je pense que c'est une oui. question plus d'ordre technique. Là. Oui, oui, c'est exactement ça. Ok C'est marqué euh, cardioïde avec un 8 bicardio. C'est un cardioïde, avec un, souvent un hyper, ben, pour le documentaire, ça va être comme un hyper cardioïde avec un figure 8, avec un micro figure 8 euh, par-dessus, ou des fois, il y a, il y a certains micros. Euh, Disons, un, un documentaire que j'avais tourné qui était euh, j'avais fait la prise de son puis la conception sonore c'est les 24 David de Céline Barry puis ça justement comme on était euh, comme on était à, à l'étranger beaucoup beaucoup dans des lieux vraiment particuliers euh, on a décidé on a pris la décision dès le départ de tout tourner en MS donc c'était plus facile puis c'était carrément avec un micro MS qui a de l'air de là, je sais pas si t'es encore là MB et, et et si euh, ça t'intéresse, mais c'est comme un MKH 416, mais je ne me souviens plus c'est lequel, c'est MKH 418, je pense, ou je ne sais plus quel chiffre. Euh, c'est un micro de Sennheiser qui, mais tu en as d'autres compagnies qui le font aussi, puis c'est carrément tout intégré dans la seule capsule, dans la même capsule. Euh, Bien, deux capsules, mais je veux dire dans, dans la même petite bébelle, ce n'est pas un deuxième micro que tu déposes sur ton autre micro. Euh, donc, euh, ça c'était pratique parce que pour la prise de son, je pouvais tout le temps poser ma perche à quelque part puis juste enregistrer une ambiance qui allait être en MS de, tout de suite. Fait que ça, techniquement, c'est beaucoup plus léger que d'avoir un micro-perche euh, puis après ça un autre micro-stéréo que tu traînes dans tes bagages puis qui fait 45 degrés dehors puis que c'est humide puis que tu n'as pas le temps puis que ton personnage finalement a décidé de partir dans le champ, il faut que tu cours. <laughs> euh, il y a toujours cette logique-là là, le, le plus efficace et le plus simple possible <laughs> euh, il nous reste à peu près euh, 10 minutes, je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu avais préparé que tu avais envie de nous partager ben non, je, je l'ai comme euh, lancé de manière un peu euh, un peu dans tous les sens là, les, les extraits euh, je, je les avais préparés de manière un peu plus construite <laughs> Je les ai mis, je les ai intégrés en, tout en vous jasant tout ça. Euh, mais ah ben je pourrais vous montrer quand même un autre moment, justement le moment où on parle de, où je, où je parlais là, de, du personnage qui est dans la voiture, je pourrais vous le montrer. Je l'avais noté. Je vais vous le montrer. Allons-y. Ce ne sera pas très long. Je vais juste d'abord essayer de le trouver. Juste assurer, moi, je, 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 ils ont un bon exemple avec moi. En tout les étudiants et étudiantes de, 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 de Rivière-du-Loup, ils sont habitués de, de voir quelqu'un gosser avec un ordinateur. OK, cool. Aucun, tu aucun n'es pas le seul exemple. Je ouais, n'osais ben, pas le dire. J'ai pris, <laughs> pris la balle de mon côté. <rire> <rire> OK. Alors, euh, voilà. Ça sent bien. c'est oh, être ce corps de bâton. Là, c'est un corps de mort-mort. Non, -de ouais, mais la, la, la partie qui me dérange le plus, là, à l'intérieur, c'est quoi Il y a aussi un effet qui me dérange, c'est le corps de bâton. c'est un corps de mon mort de restant de ça c'est un corps humain. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est juste bon pour être abusé, ces corps-là. C'est ça que j'ai servi, moi, une poupée gonflable à fourrer. J'en ai rien à de la sti de C'est un corps dégueulasse, ce corps de bâtard-là. de ce moment-là qui est très 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 fort dans le film. Euh, c'est justement comme c'est un moment qui est super fort dans l'auto au niveau de la conception sonore, je suis restée vraiment discrète. Je voulais pas du tout upstager le moment. Il fallait, fallait rester comme hyper hyper discret. Euh, fait que, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai rajouté, c'était pluie le son de la pluie dans la, dans la vitre, dans l'auto, fait qu'on on a comme cette petite impression-là de ⁇ il pleut dehors, c'est tough, mais c'est un peu réconfortant parce qu'on est, on est au sec. Il pleuvait pour vrai, mais je veux dire, on ne l'entendait pas. Je, je, je l'ai exagéré, mais ça crée ce moment un peu de ⁇ ouf, ok, on, on peut prendre un petit répit. Euh, ⁇ Puis à ce moment-là, comme je disais, le moteur, quand il nous regarde, tranquillement, le moteur fait comme... Puis il, il va vraiment, il va vraiment euh, ralentir pour permettre à la musique d'embarquer. Et là, la musique embarque. Et là, on a les premières respirations de notre personnage, qui sont les vraies respirations. Mais en fait, le musicien, il a quand même aussi, c'est quand même basé sur. Moi, je lui ai envoyé aussi le, 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 le son euh, direct que j'avais nettoyé. Euh, donc lui, il y avait aussi cette nouvelle trame sonore qui n'était pas comme le son brut du montage image dans le fond. Fait que lui, tout d'un coup, il a découvert les, les respirations qu'il y avait, qu'on entendait beaucoup mieux. Fait que c'est basé sur ces respirations-là pour, pour ponctuer, pour comme trouver le rythme de. Il y avait déjà le rythme là, de la musique, la musique était déjà là, mais disons que c'est quand même basé là-dessus. Fait que c'est vraiment un échange, là, comme on racontait tout à l'heure. Lui, il a entendu ça. Puis là, moi, après ça, bien, je trouvais que la respiration et sa musique, c'était super beau. J'ai continué des respirations, même s'il ne respire plus, ou on, nos respirations sont plus syncées à l'image, sont plus synchronisées à l'image, mais elle, elle, elle continue à rythmer la musique. Donc ça, c'était un moment le fun aussi dans le film. Là, où... Vraiment des moments, ce film-là, j'ai pris beaucoup, beaucoup de liberté là, à ce niveau-là, mais je trouve que ça marche bien. Parce que là, tout d'un coup, le, le, la conception sonore devient comme juste une, un instrument de plus à, à la trame musicale. Puis après ça, quand on s'en va dehors, bien là, on, on retombe dans un moment un peu plus, c'est plus dur. Fait que j'ai comme amplifié les sons de voiture mouillée, les pneus, parce que ça, c'est un son qui n'est pas confortable. Ce n'est pas un son qui, qui nous dit dans notre... Dans notre émotion genre hmm, c'est vraiment le fun d'être là t'sais. on le sait que nos pieds sont mouillés dans ce temps-là on le sait que les autos nous splashent dessus ça veut dire que c'est comme un temps super humide froid c'est vraiment un, un son en tout cas au Québec qu'on qu reconnaît puis qu'on peut vraiment identifier à un inconfort donc ça je l'ai amplifié puis à ce moment-là encore une fois la, les, les voitures sont on, on a des passages de voitures dans ce moment-là qui sont pas liés à la synchro de l'image, parce que nous, nos voitures sont presque toutes arrêtées devant nous. Euh, mais, mais je les utilise comme des vagues. Donc, encore une fois, ça devient quasi un instrument qui embarque dans la trame musicale, qui est comme proche, mettons, d'un ballet sur un, sur un snare ou quelque chose comme ça. Voilà. J'aurais une autre question, en fait, euh, parce que j'entendais parler tantôt des micros. Il euh, y a quelque chose d'assez je vais dire en guillemets, « geek » dans l'aspect de technologie, toutes les possibilités qui, qui existent. Euh, comment tu fais pour te tenir à jour sur ce qui est nouveau? Qu'est-ce que ça permet de, de nouveau? Parce qu'il y a toujours l'attrait de, la, de la nouveauté, mais si ça ne sert pas vraiment euh, le film ou, ou la création, c'est peut-être pas nécessairement le bon outil. Puis, ouais. euh, tu sais, dans l'optique où à l'école, on monte euh, une base qui est assez, assez, assez avancée, mais il faut toujours continuer d'apprendre. Il faut toujours continuer de, de se perfectionner. Donc, toi, comment euh, dans ta carrière tu, euh, tu continues en fait d'évoluer à travers les projets, mais aussi euh, d'autres façons, peut-être? Oui, bien moi, euh, j'ai comme plein de réponses à, à tes questions. Euh, au niveau technologique, euh, moi je ne trippe pas tant sur la technologie, sur euh, cette, cette je suis geek, là. je sais comment arranger mon ordi et tout ça, là. mais je, veux dire, je, je pour, pour ce qui est, disons, de, de l'attrait du Atmos, par exemple, justement, quand je parlais de Roma, Roma, c'est Romain est sorti justement en utilisant le Atmos, puis c'est un peu comme. C'était pas le premier film qui a été mixé en Atmos, mais c'est le premier film qui, qui a vraiment. Où les gens en ont vraiment parlé, le, le cinéma moderne était ouvert avec ça, le cinéma moderne est Atmos. Bon, là, si on parle au Québec, mais, mais euh, à Montréal, mais, mais bref, tu sais, ça, cette technologie-là, disons, le Atmos, par exemple, pour moi, je trouve pas ça si utile. Je vois pas trop. Ça, doit ma ça marche pour un gros film d'action, tout ça, Ou est-ce que tu sais, mais t'sais, là, on parle de Star Wars, il y en a pas mille des Star Wars, tu sais, je veux dire. Ben bientôt, euh... il va en avoir mille, mais... Oui, <laughs> c'est vrai. <laughs> mais, mais pour moi, c'est très... Ça peut vite tomber dans le gadget, puis j'aime pas ça, parce que ça... ce que je trouve le plus important, c'est quand même de rester fidèle à l'œuvre, de, le... de rester fidèle comme à l'essence de l'œuvre. Si tu viens imposer des gadgets à, à ça, mais souvent, tu vas comme perdre cette essence-là. Après, il y a des outils qui sont le fun. Justement, là, on avait une prise de son à MS, puis je l'ai utilisée, puis c'est super le fun. Alors, ça nous a permis de faire des d'avoir des, comme des, des mini-folies de geek, là, que, que finalement, il y a juste nous qui le savons, presque. Mais euh, Donc, il y a ça. Au niveau de la technologie, j'aime bien, mais après ça, il y a plein de plugins qui sortent. Il y a plein de... Les, les, les Pro Tools sortent tout le temps des nouvelles versions. Il y a tout le temps... Puis là, ben, à un moment donné... Moi, en tout cas, c'est un peu comme bien, je vais consolider déjà les connaissances des outils que j'ai, que je. ne je... Je connais pas encore super bien tout. Je ne connais... je suis, euh... suis pas encore une geek de tous les outils que je possède, même en plugins ou en, même en... en enregistrement ou des choses comme ça. Fait que déjà, pour moi, ça, c'est comme bien, si je peux être contente avec ça, je vais me concentrer là-dessus, ça va être super. Euh, moi, j'aime ça des films en mono, tu sais, même. Je n'ai pas besoin d'avoir comme des. des, des, des c'est ça. Je pas besoin d'avoir tout le temps de la spatialisation. Il y a des moments où c'est le fun, mais tu sais, ça reste toujours le, le, selon le besoin du film pour moi. Pas, je ne veux jamais imposer cette technologie-là, disons. Euh, puis après ça, ben, comment je fais pour me tenir au courant? Moi, je suis super chanceuse parce que j'ai une gang avec moi chez, chez part à la coop. Fait on, est, on, on travaille vraiment en collectivité, on s'apprend des choses, on se transmet des choses. Il n'y a pas de secret pour nous. On se partage énormément nos connaissances. Il y en a qui sont plus geeks que d'autres. Il euh, y en a qui sont plus cinéphiles que d'autres. Il qu y en a qui, qui vont nous parler. de, je sais pas, je vais parler d'un film. Là, ben, un de mes collègues va sortir euh, cinq références de films un peu dans ce genre-là qui pourraient être intéressantes. Mais tu sais, disons lui il s'en fout du atmos mais en échange tu as quelqu'un d'autre qui lui est spécialisé qui sort de McGill puis qui connaît super bien comme c'est un ingénieur de son pour vrai fait que là je peux poser mes questions à lui dans ce sens-là. Mais, mais il y a quand même une belle communauté puis de moins en moins je pense il y a beaucoup plus une, une logique de partage de connaissances aussi à travers les médias sociaux puis à travers tu sais il y a des fils de discussion dans Slack, par exemple, sur le field recording, sur euh, le montage sonore, même chose dans Facebook. Fait que finalement, à un moment donné, tu as, as des gens qui nourrissent ces trucs-là, puis tu vas voir une fois de temps en temps, puis tu apprends des choses. C'est un, un peu comme ça qu'on fait. C'est parfait, mais c'est ça la force de la collaboration et des relations humaines qu'on qu crée à travers, le, à travers le temps, ça, ça nourrit. Oui. Mais je dirais le, le plus gros défi dans tout ça, en tout cas, pour moi, le plus gros défi, c'est d'avoir de, de, le temps d'expérimenter toutes ces choses-là. Parce qu'il y a plein de super cool outils qui existent, qui sortent, qui sont super inspirants puis qui ne sont pas non plus juste geeks. Mm -hmm. Mais euh, ces outils-là, si tu n'as pas le temps, si tu t'achètes le, le, le plugin ou tu télécharges le. le le, le démo, disons, mais que tu n'as pas le temps de l'utiliser, puis tu n'as pas le temps de tester des choses, tu n'as pas le temps d'aller enregistrer des sons dehors avec ton micro -contact, ou ben, ça sert un peu à rien, c'est comme une, une balance. Moi, je rêverais que, 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 que les, les gens à la conception sonore puissent avoir des bourses de des bourses de recherche et création parce que, parce que à un moment donné, c'est comme tu as un film, tu as un film qui t'apporte comme des nouvelles idées, des nouvelles manières, de, tu as envie d'approcher le film d'une manière vraiment particulière. Euh, je pense à, disons, La fin des terres. Un film que j'avais fait, le film de Loïc Dar, c'est un long-métrage euh, documentaire quand même assez particulier, proche de l'expérimental dans, dans son approche. Mm. Euh, puis il y a un gros moment où il y a du data moshing dans, dans le film. Et c'est, dans le fond, c'est que tu, tu prends le, 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 le codage, là, les zéros puis les uns d'une image vidéo, mm. Qui, tu modifies ces zéros puis ces uns-là, puis ça te donne comme des espèces d'artefacts de, de, visuels complètement hallucinants. Fait que moi, j'ai fait, ah ouais, ben, moi, je vais faire la même affaire pour le son d'abord. Fait que là, j'ai fait ça. J'ai pris, tu sais, c'est vraiment juste à, pour mon bonheur personnel. Le film, c'est beaucoup sur, euh, c'est comme un peu sur le... le, le L'attachement, disons, l'image qu'une certaine génération de gens au Québec ont par rapport au, au Québec, donc euh, à la notion d'être Québécois, à la Québec, tout ça. Euh, fait que moi, dans le film, pendant le data mushing, j'ai pris des images du drapeau du Canada que j'ai modifiées, que j'ai pitchées dans des logiciels de son, que après ça, en, ça donne des sons. On sent, personne ne sait que ça vient d'un drapeau du Canada. C'est vraiment juste pour mon bonheur personnel que je trouve ça très drôle de faire du data moching sur un drapeau du Canada dans ce contexte-là. Mais, mais bref, ça, c'est des choses que j'ai été chanceuse parce que c'est un projet de l'ONF. Donc, l'ONF a un peu plus de budget et plus de temps aussi. Ils nous ont permis de comme, prendre plus de temps et de vraiment prendre des souffles, des moments de pause puis aussi prendre juste plus de temps en termes de journée de travail pour. Explore, explorer un peu, mais c'est très rare qu'on puisse le faire. Ouais. Puis parlant de temps, vu qu'on n'est pas à l'ONF, euh, ça, ça fait déjà 96 minutes, on a dépassé euh, le temps, <laughs> donc euh, <laughs> je, pas, je vais passer la balle à, à Caroline, je ne sais pas si on peut, s'il y a d'autres questions. Ben, si, si, euh, il y a une, je prendrai une dernière question de l'auditoire, en fait, parce que Hubert euh, monopolise les questions aujourd'hui. Ouais. <laughs> je pense qu'il y a Nicolas Coupé qui a levé sa main, puis après ça, on pourra euh, terminer la séance. Alors, Nicolas, si tu veux poser ta question. Oui, oui bonjour, moi j'ai une question qui concernait euh, le travail avec une autre langue. J'ai vu que tu avais travaillé notamment sur euh, l'autre Rio où Exercher des oiseaux qui se passe euh, au Brésil, en Grèce. Je voulais savoir si ça avait une influence de travailler, de faire par exemple un nettoyage de voix sur des langues qu'on qu ne comprend pas forcément. Est-ce que tu es accompagné à ce moment-là par une personne qui va te traduire Puis est-ce que, ouais, est que ça joue un rôle sur euh, la conception sonore de travailler avec une voix étrangère ouais, C'est une super bonne question. Euh, oui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des moments où même, même en documentaire, justement, euh, je trouve que, disons, le ton n'est pas, est pas tout à fait juste, un peu bizarre le ton par rapport à, à la scène, disons. Tu sais, je peux modifier des choses comme ça, je peux changer un peu le, le pitch des voix, juste comme la fin de la phrase, juste pour être sûr que on sent plus que c'est une interrogation ou quelque chose, parce qu'on, je ne ferai pas ça euh, pour manipuler, mais je vais le faire pour, pour disons, pour manipuler le discours, je ne le ferai pas en documentaire, mais je vais le faire pour qu'on comprenne mieux, disons. Pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Il y, a, il y a des fois où on va dire une phrase qui va sonner vraiment bizarre au niveau de notre manière de s'exprimer. Euh, mais que cette phrase-là est super importante. Fait que, tu, si on peut changer des fois un peu le pitch, juste pour que ce soit juste que ça finisse un peu plus en questionnement, disons, euh, ben, je vais le faire. Mais, mais par contre, quand c'est des langues étrangères, c'est complètement impossible. C'est impossible de savoir, même des fois, dans une coupe. Euh, est-ce que je coupe à la bonne place? Est-ce que euh, quand on fait un, un genre de un faux chant contre chant en documentaire, disons, euh, est-ce qu'il a fini vraiment sa phrase ou bien le dernier mot qui était comme trois secondes après, c'est vraiment le dernier mot de sa phrase? Euh, fait que Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment besoin des. Souvent, ça va être des cinéastes. Parce que souvent, les, comme l'autre Rio, Emilie Bolugueret parle super bien euh, le, le portugais brésilien. Euh, euh, Exarca. Euh, Nadine comprenait, mais elle, elle a quand même validé avec certaines personnes souvent. Mais ça, dans ce temps-là, ça va être souvent montage image, surtout, là, que, que tout ça va être comme très barré parce que c'est là où ils ont plus de temps aussi pour vraiment évaluer tout ça. Mais c'est sûr que c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y, y a un chant aussi, il y, y a une chanson euh, dans, dans, dans toutes les langues, dans la, notre manière de parler. Euh, je pense à un film où j'ai eu vraiment de la difficulté là-dessus, c'était Forbidden Reels euh, de Ariel Nasser, qui, qui parle, de, 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 dans le fond, d'une voûte qui a été un peu découverte en Afghanistan de, 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 de l'espèce d'ONF euh, afghan, dans le fond, euh, de, de, de l'institut de cinéma afghan qui, qui, qui a caché énormément de films avant que les talibans arrivent. Euh, Qu'ils ont caché comme dans des fourmures murs et tout ça. Puis on, ils parlent de ça, puis c'est un super bel hommage au, au cinéma afghan. Mais euh, là, par exemple, ça, c'est tellement un autre. Moi, c'est pas une, une mélodie que je connais. Fait que ça, c'était hyper difficile de voir si c'était juste ou pas, si on était correct ou pas. Fait que là, je me fiais vraiment au réel à ce moment-là. J'avais comme je montais, puis à chaque fois que je me disais comme Ah, ce mot-là, ou disons, un. un... Un autre truc euh, très particulier, mais mettons justement pour Forbidden Reels, euh, un des personnages avait été comme tourné, il avait été pris vraiment de loin, donc en, en très, très grand temps, ben en grand temps quand même, là, euh, en plan très large. Puis euh, donc la perche valait rien parce que la perche était comme super loin dans une grande, grande pièce, dans une bâtisse abandonnée. Fait que t'entendais juste de l'écho, t'entendais pas du tout la voix. Fait que tout était, comme toute la prise de son était vraiment basée sur le sans-fil. Mais le sans-fil, il faisait énormément de bruit. Comme ça. Puis quand un sans-fil frotte, lui, il avait du poil sous sa chemise. Fait que quand le sans-fil frotte sur le poil de la chemise, bien, la voix n'existe plus derrière. J'ai beau nettoyer le sans-fil, il n'y a, a plus d'informations de voix derrière. Donc là, je nettoyais, puis je disais, mais je viens d'enlever une syllabe, mais j'ai aucune idée c'est quoi cette syllabe-là. Donc là, je me mettais plein de marqueurs, puis avec le réalisateur, on est passé à travers tous tout ces petits moments-là pour voir OK, il manque un rrr, ou il manque un. T'sais. Voilà. Et merci beaucoup pour ta réponse. Ça me fait plaisir. mais Sinon, le, le mini détail aussi, par contre, quand il y a aussi tout ce défi-là, euh, autant en documentaire qu'en fiction, là, mais quand c'est tourné à l'étranger, d'essayer d'être la plus euh, proche possible des ambiances aussi du lieu. Moi, j'ai mes références sur comment sonne le printemps au Québec. Euh, je le sais comment sonne. Une, je le sais visuellement, mettons, euh, dans, comme dans, tant que j'ai du respirer dans le corps, il y a une scène où il fait super froid. T'sais, tu le vois qu'il fait super froid, mais quelqu'un qui n'a qui pas vécu ces hivers-là ne le sait pas nécessairement. fait que là Moi, je le sais que ça, c'est un, un froid hyper crisp. Fait que là, je le sais que je vais mettre du vent hyper crisp aussi. Donc, tout ça, c'est des petits détails, mais qui font que quand, quand c'est des trucs à l'étranger, euh, je veux dire, est-ce que tu mets. Est-ce qu'ils ont un poulailler dans la cour? Est-ce qu'il est qu y a des chiens qui se promènent errants partout? Est-ce que euh, comment sonne la sirène de police? Est-ce qu'il y a de la police dans ce coin-ci? Est-ce euh, est que les enfants vont à l'école? À quelle heure les enfants vont à l'école? Est-ce euh, qu'il y a une cour d'école dans le coin? Comment sonne une cour d'école? Euh, au Togo, des, des choses comme ça qui sont comme là, à ce moment-là, c'est vraiment important d'être comme moi, souvent ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube. Quand, quand j'ai pas de référence, puis que, mettons, les réels ne peuvent pas me nourrir tant que ça, ben là, je vais aller sur YouTube et je vais comme écouter plein de vidéos fou, super banales de gens qui se promènent dans la rue à Téhéran, ou ben, juste pour un peu entendre, c'est quoi les sons qui reviennent, c'est quoi les oiseaux dans tel pays, des choses comme ça. Ok, merci beaucoup. De rien. <laughs> bon, alors euh, on aurait pu continuer de t'écouter, Marie-Pierre. Vraiment, c'était super intéressant. Je suis, euh, je vois plein de sourires là. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir été vraiment bien, submergée d'informations nouvelles, mais aussi de d'anecdotes vraiment super intéressantes sur ton métier. Euh, je fais les remerciements puis je vais laisser Hubert faire le mot de la fin. <laughs> oui, mais, euh, je, je veux juste dire un petit truc. Vas-y. Euh, c'est dommage parce que là c'est la COVID, fait que les choses sont un peu plus complexes. Um, mais juste que vous sachiez. Euh, Qu'on a ouvert à chaque année chez Bandapart, je fais un petit, une petite plug, mais qui peut être le fun pour vous. À chaque année chez Bandapart, on ouvre un stage qui n'est pas un stage payé, quoique là, on est comme en train d'essayer de trouver une, une, une manière pour que les gens puissent être payés malgré tout. Mais c'est vraiment un stage d'apprentissage, ce n'est pas un stage où on fait des cafés puis on fait des, des photocopies. <laughs> euh, c'est vraiment un stage hands-on puis on apprend à une personne. Euh, Comment faire de la conception sonore. Wow. Là, cette année, à cause de la COVID, on l'a reporté, mais euh, pour, euh, pour l'an prochain. Puis, je vous suggère d'aller voir sur le site Bandapart Coop Audio, euh, Band Audio et Post Production Coop, ou sinon d'aller euh, juste euh, sur Facebook, le Band Audio et Post Production Coop. Quand il y a des annonces, on n'est pas très fort sur les réseaux sociaux, mais quand il y a ça, ça va apparaître et on va, on va l'annoncer, qu'on le saura un peu mieux, qu'on aura une meilleure idée de la situation. Euh, puis cette année, en tout cas, le prochain stage, assurément, il est seulement ouvert, bien, il est ouvert pour seulement les personnes qui sont sous-représentées dans le milieu du cinéma pour essayer de faire un petit peu différent. Donc, euh, ça va être dans le milieu du cinéma et du son. Donc, là, ça va être euh, les femmes parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes en post-production sonore, mm -hmm. en montage son, en conception. Donc, c'est femmes et euh, personnes racisées ou en situation de handicap. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de rampe. On est au, dans un demi-sous-sol, donc on ne peut pas accueillir des gens en fauteuil roulant, malheureusement. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est de, de faire en sorte de diversifier un petit peu plus la. La, la présence des gens dans les studios de post ah oui. disons. Euh, fait que je vous encourage vraiment à, à, à vous inscrire là, si vous pensez que vous faites partie de, ce, de ces différents groupes sous-représentés. C'est vraiment le fun puis c'est une belle gang. Voilà! Super! j'ai mis le, dans le chat, j'ai mis l'adresse le, le, courriel, euh, pas l'adresse courriel, l'adresse du site Internet. Bien, merci beaucoup d'avoir proposé ce stage-là. Je suis certaine que ça va intéresser euh, notre public. Euh, sur ce, ben, merci encore, Marie-Pierre. Merci énormément d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, merci à tous les étudiants, étudiantes, publics qui sont là sur, euh, surtout sur Zoom. Je pense qu'on n'avait pas personne sur YouTube, puisque je pense qu'il y avait moi et il y avait les personnes de l'équipe. Euh, merci à l'OCQ, à l'équipe de l'OCQ, Cassandra, Joël qui sont là. Euh, au département euh, d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, euh, à l'UNEC aussi, l'Union. Euh, oh boy, je ne me souviens plus c'est quoi, L'Union des écrivains et écrivaines euh, du Québec. Merci Hubert. Euh, au au euh, CRSH qui a financé aussi ce projet-là de faire des, des classes, je veux dire classes de maître mais. Euh, Classe de faiseuse, j'aime bien aussi. Euh, J'espère qu'il va en avoir d'autres prochainement, peut-être l'année prochaine. Puis au laboratoire Cinémédia aussi, euh, qui participe à la, à la production de cet événement. Donc, euh, Hubert, je, sur ça, je te laisse le mot de la fin. C'est des responsabilités, mais en fait, je suis content parce que je n'ai <laughs> pas eu le temps de présenter Marie-Pierre au début pour montrer euh, ben, pourquoi on, on, on voulait absolument qu'elle vienne. Nous parler, mais parce qu'en fait, on a vu, c'est quelqu'un qui, qui est passionné par son métier, passionné par, euh, par le cinéma, la conception sonore. Moi, c'est quelqu'un que je vois souvent euh, dans les festivals qui va voir des films. Donc, c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui a une grande cinéphilie, puis je pense que ça nourrit aussi la, la créativité, à moins que je, je me trompe, mais je pense que c'est important de, de voir des films, voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible de faire, euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, euh, pour ça, je te rends content que tu viennes, puis ta pratique euh, mixte. À la fois fiction, documentaire, puis tu réalises aussi. Donc, tu as, as plusieurs chapeaux qui s'emboîtent toutes sur, sur, sur la même patte je ne sais pas si. <laughs> Donc, mais merci d'avoir été là, d'avoir été aussi généreuse avec nous. Puis, on en sort tous grandis. Donc, mais merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Donc, c'est le Merci moment bizarre où on se demande ce qu'il on fait des bavaires. Merci. <rire> Merci encore, Marc-Pierre. Au revoir, tout le monde. Allez.